Allô? Est-ce qu'on est là? Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Est-ce qu'on entend Sonic ça? Non, on l'entend pas. Bonjour, allô? Est-ce qu'on entend Sonic San? Je l'entends pas, ça commence super bien. Salut, 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 Ah salut. si, on l'entend, si, bonjour. Bonjour à tous. Incroyable. Ouais, la caméra elle est en HD. T'as vu, ouais, on glow up, on se fait tout beau, on fait le setup pour être prêt pour Strive. Émission un petit peu spéciale aujourd'hui pour plusieurs raisons. Hein, déjà, première raison, parce que Sonic San est là, bien sûr. Incroyable. Incroyable. Bienvenue Sonic San. Hein. Je ne sais pas si c'est ta première participation en tant que commentateur hein, au club des FT5. En tout cas, bienvenue Bah parmi nous. ouais, merci hein. Bah à part bébé tag, je pense que c'est peut-être la première fois, ouais. C'est ça. Donc, on aura sans doute Masker et Escagas qui vont nous rejoindre bientôt aussi. Bien. Donc, émission un peu spéciale parce que oui. Pour une fois, je pense que c'est la première fois où on va faire une émission comme ça de FT5 où les matchs ne seront pas joués en live, puisqu'il s'agit uniquement de replay. Voilà. Hein, c'est que des replays, j'avais fait un appel à la communauté, hein, si vous souhaitez qu'on fasse cette émission comme ça sur des replays de Guilty Gear Strive qui ont eu lieu pendant la bêta, vous pouviez m'envoyer des replays hein, sur ma chaîne YouTube, sur mon Twitter, hein, j'avais mis toutes les infos qu'il fallait faire suivre. Pour m'envoyer et grâce à vous, et ben ces émissions vont avoir lieu. Il y en aura au moins deux. Hein. Merci à vous pour tout ce que vous m'avez envoyé. Merci à Armand Jaguar et Zai aussi qui sont venus follower la chaîne. Bienvenue à vous. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est aussi la première émission sur Strive hein, qu'on fait. On va commenter des matchs sur Guilty Gear Strive. Hop, aussi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à annoncer? Ça, je pense qu'on va annoncer un petit peu après. Ouais, on annoncera un petit peu après. Donc, pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'émission du club des FT5 ou du FT7 à la maison, ça dépend du format des matchs. Hein, ça dépend entièrement si je reçois des FT5, des FT7, des FT10 et des FT1. Je sais, j'ai reçu des FT2. Hein, c'est le plus petit que j'ai reçu. Et j'ai reçu un FT15 où là, j'ai dit on va peut-être se calmer un petit peu. Mais ça fait plaisir de voir que vous jouez beaucoup au jeu, que vous avez beaucoup aimé cette bêta. Hein, nous aussi. Et. Donc, les FT15, malheureusement, je vais juste m'arrêter au FT5 parce que j'ai pas reçu assez on va dire, de vidéos qui allaient jusqu'à ce score-là, tout simplement. Les FT10, j'ai pris la décision, pareil, les FT7, de les couper en FT5, car c'était... Ouh, Gecko, merci beaucoup pour ce sub. Ça sort la cam, oui. Oui, c'est la grande occasion, hein, la première émission pour Guilty Gear Strive, bien sûr. Et donc, j'ai pris la décision de prendre les FT7 et 5 et 10 et de les couper à une fois que le score arrive à 5. Et la règle que je me suis mise, malgré ce que je viens de dire, je n'ai pas regardé les replays que vous m'avez envoyés. Donc, je vais les découvrir là. Et il y a des replays, autre chose importante, qui sont des archives de stream. Voilà. Donc vous allez sans doute entendre la voix de quiconque était en train de streamer le match. Hein. Ça sera le cas du premier match, du match de Dricus, de Souvenir. Et voilà. Et vu que les replays, je les ai eus de la part des joueurs, la qualité vidéo va pas être la même d'un joueur à l'autre. Hein, je m'en excuse d'avance. Mais tous les matchs sont regardables actuellement. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous d'être là. On va tout de suite commencer avec le premier match et on va lancer les pronostics. Et je suis tellement prêt que je n'ai pas le bot de pronostic de lancer. Donc je vais demander à Oh Sonic San non. de raconter sa vie pendant que je fais ça très rapidement. Hop. Alors, très bien. Est-ce comme ça, vous pouvez me Ah dire si bah on entend bon. très bien Sonic San en même temps, qu'est-ce Mais qui il se y a passe là? énormément de monde que je connais dans le chat, c'est incroyable. J'ai jamais vu autant de gens qui sont hypés par le jeu. Ah si si Mais moi j'en avais bon. vu hein, mais là c'est chouette, c'est vrai que vous êtes nombreux. Même depuis la bêta numéro 2, hein, Guilty ça avait bien repris dernièrement, hein. Ça fait vraiment plaisir. Alors, allons-y. Comment qu'on fait le truc? Je clique ici. Voilà. Non, je clique mieux. Oui, si je clique mieux, ça Est-ce que marche. tu peux monter un petit peu le volume de Sonic San, si possible? Alors, monter le volume de Sonic Sun, je peux faire comment? Parce que tu es à fond Ouais, chez moi. vas-y, Ah, vas-y, vas-y. attends, j'ai peut-être une strat. Je vais monter. Est-ce que Fais j'ai ta la strat? strat. Peut-être comme Ah, tu l'as. ça.
Allô, 1, 2, 3. Est-ce que c'est mieux là? C'est bien là. Merci pour le follow, Zelker. Ok, 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 let's go. Hop, et let's aussi, go, donc, peux-tu nous présenter les deux premiers joueurs qui vont s'affronter, puisqu'il s'agit de Myst Blue et Majin, The Majin 972, qui ont envoyé les premiers replays ici, et me dire ton pronostic, du coup. Moi, je préfère, je suis, je fais partie des camps des commentateurs neutres. Donc de base, je ne suis pour personne. Maintenant, je sais que je connais un peu plus Myst que Majin, sachant que Myst, c'est vraiment un ancien de Grande Blue. Il est là depuis la sortie du jeu. Il a fait une petite pause du jeu et puis après il est revenu un an après. Mmh. Et du coup, on le voit enfin sur Guilty Gear Strive. On va voir ce que va donner sa Giovanna. Ouais. Myst qui avait été à la base un joueur de 2X, si je me trompe pas, hein, et qui avait lâché les jeux de baston pour des raisons, il fait ce qu'il veut, hein, tout simplement, on est dans un pays libre. Et à l'annonce de Grand Blue Fantasy Versus, il avait repris avec Guilty, hein, il avait taffé un petit Johnny. Voilà. Oh, il y a Jonua qui a nous rejoint. Bon, merci, bienvenue Jonua, qui avait commencé à taffer un petit Johnny à Guilty avant de se mettre vraiment à Grand Blue. Et voilà, de revenir aussi à comment ça s'appelle, à Guilty Gear Strive. The Majin 972 aussi, qui a joué pas mal à Grand Blue, à Dragon Ball Fighters, hein, si je dis pas de bêtises. Pressé de le voir aussi sur Guilty Gear Strive, où il est entre deux personnages, si je me souviens bien. C'était entre Milia et Axel. Ah, il y avait le petit... Ah ouais, ça n'a rien à voir les deux. Ouais, mais je pense qu'il était plus Milia que Axel. Enfin, on verra s'il y a un counter-pick ou pas du personnage. Bon, en tout cas, les pronostics sont lancés. Hein. Je vous laisse voter avec les points de chaîne et tout ça. Avant voter, c'est important. Voter, c'est important. Hein. N'oubliez pas que... D'ailleurs, profitez-en, hein, sur cette chaîne Twitch, il se passe quelque chose d'incroyable. Le vote est autorisé si vous n'avez pas 18 ans. Normalement, le vote, hein, c'est quelque chose interdit au moins de 18 ans. C'est incroyable. C'est incroyable, hein, n'est-ce pas? On a des blocs, des libertés ici. C'est vraiment Guilty Gear. C'est vraiment tout est possible. Tu vois. C'est ça. Une fois qu'il y a de la barre, c'est bon. C'est ça, c'est ça. Voilà. Bon. Alors, on est prêt. Je pense qu'il y a les pronostics, hein, qui sont toujours lancés. Est-ce qu'on lance un premier match? Bonjour, Kendip. Il y a aussi un truc où je vais peut-être le dire après. Je vais peut-être le dire après, ouais. Tu vas le dire après. Je vais le dire après. Je pense que tu penses. Je vais le dire après. Donc, okay, voilà. Les alertes sont... Est-ce que les alertes, ça va chez vous? Parce que c'est le tout nouveau setup, tout neuf, vous voyez. Hein. Donc, j'espère que j'ai assez bien réglé tout. Et vous me dites, hein, si les alertes sont trop fortes ou autres, si je dois baisser. Et tout ça. Willkommen, Kendip. Et Kendip, I want your pronostic. Who's gonna win the first match? Myst or Majin? Kendip. The Majin 972. Who's gonna win that? On va voir ça. Hein. Hop, Don't je vois ta tête. Et je t'imaginais pas du tout comme ça. Je suis trigger. Attends, je te rassure. Voilà, il y a le t-shirt là. Voilà, j'espère que c'est rassurant, hein. Tout va bien. Oh là là, y a... je sais pas s'il y a quelqu'un qui a dépensé 2000 balles sur Myst Blue, mais il y a plus de points sur Myst Blue pour le moment. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui a dépensé 2000 balles sur Myst Blue. Hein. Ouais. La tasse aussi, hein. En vos points. Voilà, bon. Allez. Yo, trop stylé. Ma tasse qui m'a coûté 2,50€ chez Action. Je ne cache pas. Je fais l'action ce matin. Je te jure, je l'ai vu, j'ai vu le prix, j'ai fait j'achète. J'achète, c'est moi. C'est moi la tasse. La tasse. La bon. Tête de Lyon. Oh, aïe, aïe. Tout le monde est prêt. Les votes, vas-y, on va lancer. Ah, attention, hein, il y a quelqu'un qui a redépensé 4000 balles sur Majin. Ah, voilà. Et j'ai dit, ouais, ça dépense sur Mizu, c'est bon. Quelqu'un s'est énervé. Feel down the Kendip for the sub, thank you so much, I appreciate that. Hop, je vote pour le moins populaire. Attention, il y a quelqu'un qui va dépenser 2000 balles sur le moins populaire après, et ça va contrebalancer. Alors, est-ce que tu vois déjà, question d'ordre technique,
Est-ce que je vois là? Bah là, pour moi, tu vois que je la vois, mais tu as mis en pause la vidéo. Ouais, donc tout va bien, hein, on va la lancer. Alors, Majin qui me dit, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Majin, est-ce que tu as été vulgaire dans ce replay, vu que c'est un replay de ton stream? Je te fais confiance, je l'ai pas regardé. Si tu dis des vulgarités, il va falloir que je mute ce replay, vu qu'il y aura ta voix dedans. Ne m'attire pas de problème hein, sur ça. Allez, on va préparer donc ce replay, c'est un FT5, commenté par moi et SonicSan pour l'instant. Et les pronostics, ils ont dit quoi? Ils ont dit... C'est quoi les pronostics finaux? 66% pour Majin. Hein. On va voir. Bon, déjà, la musique ici, hop, c'est la pause. On prépare le replay. Le replay, il est où? Il est où? Il est où? Ta-ta-la-ta-ta-ta-ta. Il est juste là, je suis perdu dans... Non, je suis pas perdu du tout. Mais non, je suis pas perdu du tout, il est là. On est prêt à le lancer, mais pas fort le son. Bon. Dans le doute, je mets pas fort le son. Histoire de ne pas voir les réactions de Majin, on va passer en full screen. Merci pour le follow Zazu. Et comme ça, il y a mon Fursona qui va le censurer pour sa sécurité. Et, allez, c'est parti. Voilà. C'est un FT5 FT5, voilà. Okay, ah, ça bien. Commence bien, c'est pas dans le bon sens. Hop. Donc, Milia Giovanna, qu'est-ce que ça peut donner ce match-up? Je sais pas si c'est pareil sur le stream, mais je l'entends pas chez moi. Ah, la vidéo. Ah, je supporte pas sa voix, Giovanna. Alors, ça commence bien, moi j'entends dire Majin qui ne supporte pas ça. Au pire, je vais peut-être laisser la musique du Coucou Kamatari. On va laisser comme ça pour l'instant, vous me dites si je mets plus fort. Hop, Runestar Plus Shaker, qui a bien été puni par le dash avant Far Slash, hein, ici comment il s'appelle, de Giovanna. Attends, vas-y. Je te laisse admirer ce premier match pendant que je règle l'overlay. Allez, on ouvre avec une petite chop. Et ça chope direct d'entrée de jeu à l'arrivée du saut. Bonjour. Allez, on repart. On essaie de faire un cross-up, ça passe pas trop. Hop, on se fait un air dash parce que Giovanna, c'est assez fort. Sur les embrouilles d'air dash. Ouah, c'est un peu bizarre. Ok. Encore devant derrière. Oh là là. Il fait comme Chun-Li dans 2X. Il appuie sur 3HK. Il fait le coup qui passe par derrière pour laver les serviettes, c'est efficace. Mm-hmm. Peut-être son adversaire comprend pas encore. Let's go. Hop là, oui, donc ouais, c'est ce que je te disais à Coral, ils entendent pas eux aussi en direct. Bah, sinon, je mets plus fort, c'est juste qu'on va entendre Majin s'il râle. Bon, on va espérer hein, qu'ils disent pas grand chose. Allez, je mets un petit peu plus fort, voilà. Histoire qu'on ait un minimum son du jeu et les réactions de Majin en live. Oh la barre. Oi 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 oi. Et il y a déjà un 0. Ouais. Le premier round ça va, mais celui-là il était assez expédié. J'avoue, tu vois les réactions de Majin aussi. J'ai juste baissé un petit peu le bruit des alertes parce que je crois qu'elles sont un peu fortes. Vas-y, vas-y. Hop là, voilà. Ça racame de monter encore un petit peu sur le chat. Je te laisse décider. Bah, je remonte et puis si Majin dit des choses bizarres, je recensurerai. Voilà, je fais confiance à Majin. Pendant que ici, on a double cross-up into. C'est super fort. Alors c'était Sol Puente, je crois, cette attaque, elle s'appelle, celle où elle passe dans le dos. Ouais. Bah, en tout cas, c'est vachement bon là, l'utilisation du Soka, puis après tu air dash, tu passes derrière le mec, du coup, tu peux. Toucher gratos, c'est un peu très difficile. Ah, tu peux pas faire une chop après. Hein. Un blockstun énorme, ce jeu. Faire attention. Ah, faire slash counter. Évidemment, ça meurt. Trova au counter. Il y a pas combo derrière, ici. Oh, nice. Ok. Double counter, bien joué. Le RC ici, j'allais dire, hein, faut reprendre le coin. On side switch. Très bien. Hop. Continue ici. Ah, dommage, le bad moon un petit peu trop loin, ici. Myst, qui a bien été patient et qui a pas voulu trop faire le fou. Il s'est dit qu'il va se passer des trucs. Hein. Il a plus beaucoup de vie ici en face. Majin. Hop. Ça prend cette ouverture. Okay. Attention. Non, alors là, je sais pas s'il aurait pu faire la super projectile. Ça aurait peut-être tué en pétant le mur. Wow. Chop PRC, il a PRC la chop. Il aurait pu tuer non, là-dessus. What the fuck. Non, la Majin qui a eu peur de gagner. Ouais. Ok, ok. C'est pas grave. Mais on repart. Le seul pointé, il est pas positif en bloc. Attention, il est safe en bloc, je crois. Hein. Mais pas positif. Safe, ouais. Ouais, attention.
Hop, la chope, hein, attention les mythiens, hein, pas raté. Double overhead, sol pointé. Ah non, il veut pas garder le coin ici, un petit erreur de miss, mais bon, moi c'est pas puni, donc c'est pas si grave hein, de faire une erreur où vous perdez vos tours tant que vous prenez pas de dégâts derrière. Bon, ok, pas de follow-up, c'est pas grave, ouais. On a quand même un hit conséquent de vie. 5 caca, hop. Ah, pas de disque ici, il y a balayette sans disque, attention, hein, jouer Milia sans, sans disque derrière balayette, c'est un petit peu triste voilà. De faire, de pas faire le truc fort du perso. Voilà, RC, non, ça va pas RC, c'est pas grave, ça garde sa barre du coup. Double garde, ouais. Et ça finit. Tu peux punir ce truc ? Il est bien non, positif, d'accord. Dashé, c'est pour ça. Il a dashé, je crois. Okay. Donc c'est bien positif, nous dit Gamgab, le sol pointé. Oh, plus 4, c'est énorme. Ah oui, effectivement, c'est offline. Non, okay. Cela, il y aura des replays offline, il y en a deux dans la liste. Celui-là, c'est du online. Ouais, la plupart, c'est des replays online qui ont été faits la semaine dernière sur la dernière bêta du jeu. On continue, ouais. Hop. Et on repart sur un 2-0 de Miss Blue, plutôt solide. Ah, petit fait attention là, l'Iron Savior ici qui a failli être puni par Mist, Fares Sepultura. Ouais, la Sepultura hein, ici, il faut bien. Quand vous jouez Giovanna ici, n'hésitez pas. Ouh, le full screen trop bas haut, très bien. N'hésitez pas à safeiser ce que vous faites avec les Sepultura. Hein. Les Sepultura, c'est si vous spacez bien, c'est-à-dire vous touchez bien du bout du pied, c'est très dur pour l'adversaire de tout rattraper comme ça. Hop. Continue ici. Aïe aïe aïe, on peut choper là-dedans. Là, j'aime choper là, frère, pendant que j'étais en train de faire ouais. Ça là. Voilà, non, on a la réaction vrai, live mou, frère, il me chope, de Majin. La petite déchoppe. Okay, la petite déchoppe. Attention, ouais. Oui. Pousse vers le coin. Oh mon dieu. Ah, y'a pas eu d'RC ici, il aurait pu tuer Miss Blue. C'est pas grave. Y'a écrit. Ah okay. C'est moi qui m'ai suivi counter. Ok. Je baisse au moment où Majin s'énerve. Sol pointé, non, c'est le cross-up. Le Cannon Strike, c'est trop bas haut. Voilà, ensuite, on continue. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est très chiant à bloquer. Je vérifie hein, la moveset. J'avais révisé pour hier, j'ai déjà oublié, hein, c'est ça de vieillir. Si tu l'as, je prends. Oh, ça... Quoi ça... Ouais, c'est bien, c'est sol pointé. Ouais. Ce truc. D'accord. C'est sol pointé. Et le dragon qui est pas dragon, c'est sol nashente. Le d'accord. Cannon Strike, c'est Trovao, et le kick qui safeise tout, c'est Pultura. Manque de 6p. Ouh, bien joué ça. Le bon burst, hein, ici. Il a ouais. Préféré balancer le burst. Hein, il a un round d'avance, hein, Mist. Je suis pas trop fan des bursts de fin de round. Hop, il a full meter, on du coup, ça veut dire. Hulk. Voilà, hop. Elle passe en mode Hulk. Elle est plus puissante, elle encaisse plus de vie. Alors là, derrière le Fares, Mist, il aurait pu faire un RC bon et faire une phase, et du coup... Il l'a pas fait et Mist en a profité, Majin en a profité pour punir ça. Enfin le premier round pour Majin. Ouais. Elle ça repart. C'est chaud. Hein. Hop, c'est pour le tour entière. Très bien. Ah, attention, hein, le mythique comme ça qui a été raté. Hop, Fares, c'est pour le tour. Hein, elle a pas, sans metteur, elle peut rien faire derrière Fares à part ça. On continue. Hop, ça a pas été rattrapé ici malheureusement. Ça se regarde dans le neutral, ça saute dessus. Hop, Iron Savior, c'est low. Un petit peu trop loin pour faire un tandem top ici. Bad Moon, c'est bon. Faut pas qu'il sorte du coin. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir casser le mur ? RC. Non, il a raté ! C'est dommage. Ah, attention, tandem top du coup. Miss qui garde ça bien. Okay. Il va réussir à sortir du coin. Hop, oh, Bucky crie un. Bon, bah. Okay. Ouais, c'est dommage. Bucky crie un. Miss qui a récupéré son burst. Full ressource du côté de Miss. De la shop. RC, non pas d'RC, RC il aurait pu tuer, c'est pas grave, il tue quand même. It's okay, il a gagné. Toi bien, ok. Ouais. Un petit 3-0 pour Miss Blue. Bon, il a pas tué, mais c'est pas grave, hein, parce que... Mais attention aux ressources, hein, Mist, hein. Là il donne un peu, beaucoup d'opportunités à Majin, hein. Majin qui arrive pas à les récupérer, les opportunités, c'est dommage. Mais... Ouais, hein, là, petite prise de risque hein, du côté de Mist. Hop. Mais oui, hein, Giovanna, quand elle a beaucoup de vie, elle encaisse beaucoup plus les attaques que les autres persos. Hop, saut qui crie un, voilà, kick, bah ça H. Fait même... Ça fait quand même très mal, hein. C'est juste un 3-8, mais vu que Milia a moins de vie que la plupart des persos, elle prend cher. Ouais, bah H counter 6H, c'est bien. Sepultura, il aurait pu encore une fois RC pour continuer son tour, mais bon, il s'en fiche, il a la vie d'avant, c'est pas grave, bien joué ça, Fares, okay. Super, bah, ça tue. Tranquille. Voilà. Zou. Ah, voilà, ça respecte la position de victoire de Giovanna qui est craqué. Ah, le chien, ça carry de base. Hein, ouais, Ray.
You can pet the dog. Bien joué ça, hop, Iron Savior. Tandem top. C'est bien bursté ici, hein, du côté de Mist. Hein. Hop. Ah, il est Mist qui est un peu plus prudent, là. Il ne baigne plus à la vie. Hop, 50% de barre du côté de magie. Voilà, faut balancer un truc. Au pire, on fait un cancel. Non. Tandem top counter. Oh, ça a pris l'overhead d'après. Bien joué. Oh. Allez, casse le mur. Rate pas, rate pas. Voilà, merci. Là. Alors, une saveur pour ouais, casser une le mur. Touche, c'est tranquille. Voilà. Voilà, on a pris ça. C'est tranquille. Tranquille. Où tu es? Oh, Runestar 6P, hein, tu sautes pas. Ah, ça a raté un peu Loki, faut faire attention dans ce jeu. Mm. Faut pas être trop collé, sinon on se prend des shops à leur enlever, c'est gratuit. Ça n'existe plus, hein, ça par contre. Hein. Les shops, c'est plus des reversals hein, dans ce jeu. Attention. Hein. Ah, parce que c'est plus, ça sort plus en une frame. Ouais, ça quoi. Sort plus en 1. Hein. Ok, ok. My bad. Hop, ouf. Attention le burst ici, hein. Ça burst les super en bloc, grosse erreur de Mist hein, qui a claqué du coup son burst alors qu'il a plus de vie et qui donne ce round, le ce match à Majin. Très bien. Voilà, premier point pour Majin. Milia dans toute sa splendeur, incroyable ce jeu. Ouais. Allez, hop. Ça existe toujours que si ça mitie mal. Oui, mais avant ça battait les mitis, donc c'est pour ça on dit que oui, ça existe. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Faut quand même bien mitier. Ouais. Les DP sont bien chopables, oui, maintenant. Hein. Ça, par contre, c'est vrai. C'est parce que les DP sont pas invincibles frame 1. Enfin, il me semble. Je crois pas que c'est invincible tout de suite à la relever. En tout cas, ça repart sur ce match où Majin est en train de mettre la misère à Mist. Pendant qu'on est en train de parler. Aïe, aïe, aïe. Le Bad Moon en anti-air. Ouais, ok. Très bien. Tant que ça passe. Oui, non, c'est très bonne action en tout cas. Ouf, ça 6P le trop haut. Il a un follow-up derrière ça, Milia. Derrière 6P. Je demande. Hein, coup spécial, hein, je pense. Le coup, elle a tellement craqué. S'il y a un follow-up derrière, faut bien capitaliser. Ah, ça a trade sur le Bad Moon hein, quand même. Fares, Sol Pointé. Ah, oh, ça s'est calmé derrière le sol pointé ici. Voilà, ça rattrape le backdash avec l'Iron Savior. Hein, Milia qui cherche la mise au sol ici, un Mijin qui n'arrive pas à la trouver, qui se refait choper les dégâts de la chope de Giovanna sur Milia. Hein. Milia, c'est un perso qui encaisse très très mal. Hein, on rappelle. Oui. Attention. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ouais, Sepultura, hein, c'est bien safe en bloc, Sepultura. Hein, ah voilà, attention, le Sepultura. Ah, ouais. Fares Sepultura. Ouais, le kick là avec la louve qui tourne, hein, c'est Sepultura, c'est à moins 2, hein, si je dis pas de bêtises. Donc vous pouvez tout safeiser si vous n'êtes pas trop trop près avec Giovanna comme ça. Oh, j'ai pris. j'ai pas bloqué. Je sais pas vous dans le chat, mais... ah, c'était chaud. Hein. C'était derrière, pendant que la boule est active. Aïe, 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 aïe. C'est un peu compliqué, Milia. Ouais. Ah, les dégâts de la chope de Giovanna sur Milia. Dans le coin. Ouais. Tout est bloqué, même en tiers. Très bien joué de la place de Majin. Par contre... Ça bourrait un petit Fares. Le dash. Oh, très bon RC, ok. Très bien. La boule qui permet de prendre la pression dans le coin, très bien. Hop. Ouais, il va prendre le cassage de mur. Il éclate même le mur. Dommage. Là, je pense. Oui. It was a reset. It was a reset. Allez, une touche. Voilà. Oh là 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 là. Ouais. Petit manque de patience de Mist. Alors, il y a un petit truc que j'aimerais dire là, que pareil, Majin qui a fait une. Petite prise de risque, il avait fait RC ouais. Au lieu de faire super, il aurait juste dû faire super et péter le mur et faire une phase derrière et il tuait. Ouais, là ouais. Il a pris un risque ouais. En faisant RC et péter le mur sans prendre Loki. Ouais, là c'est bon. C'est une mécanique qu'on ne pense pas forcément, mais c'est vrai que avoir Loki après qu'on a pété le mur quand on fait une super, c'est un truc qu'on pense pas forcément et pourtant c'est très fort. Ouais. Sachant qu'en plus, en fait, le mur récupère un petit peu de barre. Attention au burst, imagine. Burstez pas quand l'adversaire est loin, comme ça. Hein. Attention. Souvenez-vous que le burst, ça marche vraiment si vous êtes collé. Donc, comment l'adversaire, vous voyez qu'il arrive à bien gérer les distances, ça commence à être chaud. Ouloulou, attention les sols pointés, hein, pas prendre trop de sols pointés comme ça en décalage. Bonne garde de Mist hein, qui a pas craqué ouais. Face à la Milia qui dash qui aurait pu choper. Trovao, attention Trovao. Hein. C'est vrai que Trovao ça passe à travers les projos, mais la Milia n'a plus de projos à part Tandem Top hein, dans ce jeu. Et Tandem Top, je pense pas qu'elle le fera au pif. Très bonne Bad Moon ici. Voilà, double Iron Savior. Hein. Ça, je sais pas si elle aurait pu casser le mur avec la super projectile. Aïe aïe aïe, ça c'est la mort. Non, c'est pas grave.
C'est pas grave. Ok, très bon Noki. Ça n'a pas voulu bloquer en face. On prend. Ouais. Hop. Là, pareil, encore une fois, attention à Mist. Hein, tu fais un coup, tu RC, tu fais n'importe quoi derrière, t'aurais pu gagner. Hein. Là, t'as encore pris un risque à ne pas RC sur la dernière touche. Après, peut-être, bon, je pense qu'il n'avait pas prévu de rater, hein, je dis ça, mais personne n'a prévu de rater, je pense, dans sa vie. Voilà, c'est ça. Super. Non ? Ah, il garde ! Ah, il garde la barre. Okay. Bon, d'accord. Ah, il garde la barre. Bon, c'est pas grave. Hein, alors... c'est pas grave, il a un lead tellement énorme que bah, voilà. Ça, n'importe quoi, ça tue. Voilà, on s'en fiche. Tout simplement. Hop, allez, on continue, ici, ah, ça se regarde, ça c'est pas trop, oh, il y a eu un saut airshop ici, hein, Miss Blue qui a voulu être dans le futur, un petit peu, la fleur, double counter. Ça vra... Maintenant que j'y pense, ça a l'air un peu dur de punir les Ban Moon avec Giovanna, il n'y a pas grand chose que tu peux faire. Je sais pas, Pharès, c'est peu, non, je sais pas, hein. C'est Pultura peut-être. Non, ça pas, hein. Ouais, Sol Nascente, ça... Ça sort très vite. Mais il y a pas grand chose derrière. Non, son 6P, il est lent, hein, Giovanna. Il est très bon, son 6P. Plus, ouais. Mais il est très lent. Mm. Attention, oui, qu'est-ce qui va se passer ? Fares, non, Fares, Closes Fares, ça fait. Bad Moon, ah bah voilà. Fares, super. 4 okay. à 2. Bon. Après, le Bad Moon était un peu mal spacé, mais bon. Fares, super, en tout cas, c'est garanti. Hop, 4 à 2, attention, un balle de match pour Mist ici. Oh, ça va, moi j'ai vu le début du match, fait, oh, ça va être 5-0 pour Mist. Donc je sais pas. Ah, attention, ça commence à sauter vraiment, hein, dans les sols pointés. Hein. Imagine, il commence à voir ici. Là par contre, la garde, attention, hein, c'est vrai qu'il y a le mur qui va péter de toute façon, mais bon, c'est pas une raison de pas mettre la garde, surtout quand on joue un perso qui a très peu de vie comme Milia. Encore une fois, c'est Pultura, pas de RC. Ou pas de super, hein, sur une confirme super, ça aurait pu gagner, mais c'est pas grave, ça gagne quand même. Tant que ça gagne quand même, ça va. Hein. Et c'est déjà le bal de match pour Mist Blue. Bal de match, effectivement, ici. Hein. Hop. Ce bal de FT, hop. Ouïo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 uï
San, il joue Ino, c'est un joueur anonyme, c'est bon, c'est lui qui gagne. Bonne question. Salut les gens. Salut les gens. Ah, c'est Kiki. Bonjour, allô. C'est moi, c'est Masker, bonjour. Bonjour. Salut à toi, Masker. Salut. Du coup, ouais, j'arrive pour commenter le prochain FT, là. On s'est un petit peu organisé, on sera deux à chaque fois. Mais on va tourner entre moi, Coral, Sonic San et Skagas, donc ouais. Mais du coup, ouais, Noraini, je sais que... J'ai pas énormément joué avec lui, mais je sais que je l'ai vu sur Xrd, il avait un petit Raven. Là, il a décidé de prendre Ranji. Je l'ai pas vraiment vu jouer pendant la bêta, mais je pense qu'il y a moyen qu'il soit déjà un peu familier... Enfin, il est un peu familier avec les mécaniques. San, mm-hmm. du coup, ouais, forcément, on le connaît pas du tout, donc on va voir s'il connaît. C'est un replay. Et Noraini, il jouait à Gulti avant. Oui, Noraini, il a pas énormément joué, mais il était sur Xrd. J'ai déjà joué contre lui. D'accord, très bien. Ouais. Okay. Alors, on m'a demandé comment je trouvais les dégâts. Je retrouve plus le message, excusez-moi. Les dégâts dans ce jeu, moi, ça va. Là, ils sont bien. Et même la bêta d'avant, ça me gênait pas toujours. Hein. Mais en tout cas, là, c'est bien. Si vous trouvez que les dégâts font trop mal, rappelez-vous que c'est un jeu où vous avez un burst, la mécanique de combo breaker. Hein, et c'est à ça que ça sert, en fait. Quand vous sentez que ça va faire... que ça, vous allez prendre la max, hein, burster. C'est à ça que ça sert. Ouais. Et si vous êtes dans un jeu où il y a les combos sont pas assez longs et où les dégâts ça fait pas mal, la mécanique elle sert à rien. Donc vous souvenez-vous que cette mécanique existe en fait, le burst. Hein. C'est pour ça que voilà, ça existe, hein, les combos longs ou les comment ça s'appelle, les dégâts qui font mal. Moi, à partir du moment où il y a une mécanique de combo breaker comme ça, hein, je peux comparer à d'autres jeux, hein, à qu'est-ce qu'il y a comme jeu, autre jeu comme ça qui a des combo breakers. Il y a Injustice 2, il y a Killer Instinct, il y a Blaze Blue. J'allais dire Skullgirls, mais Skullgirls, il n'y a pas de burst. Il y a quoi d'autre jeu comme aussi qui a un burst? Enfin bref, oui. C'était le principal. Hein. Voilà, c'est quand t'as... quand les vous avez game, une... voilà, quand vous avez une mécanique comme ça qui vous permet d'échapper à un combo ou à un truc qui va vous faire très très mal, bah ça compense le fait que ça existe en fait. Donc moi, ça me gêne pas trop qu'il y a un qui est des trucs qui font mal, justement. Et puis, dans tous les cas, aussi, l'autre truc auquel il faut penser, c'est que, à la base, le but du jeu, c'est pas de se faire toucher aussi. Après, il y a des persos qui font plus mal, plus peur que d'autres, hein, quand ils vous touchent, bien sûr. Et il y a des persos à qui le burst a avantage plus que d'autres aussi. Hein, c'est à ça. Je sais pas, ça, moi, je trouve ça fun d'avoir plus de diversion comme ça et d'avoir cette optique-là avec les combos qui peuvent potentiellement faire mal si on a des ressources à claquer, la jauge de risque et tout ça. Surtout que le burst, c'est un truc intéressant qui, toujours, c'est que c'est pas complètement gratuit non plus parce que tu peux te faire bait ton burst, s'il est bloqué, tu peux te faire punir, etc. Je trouve dans Xer, dans les jeux d'avant, c'était le focus du burst, c'était bon évidemment genre s'échapper des gros combos pour les persos qui font très mal, mais t'avais un peu aussi le truc de s'échapper un peu de Loki qui pouvait se loop un peu à l'infini. Là, comme c'est moins le cas dans Strive, je pense que ça devrait être réservé pas mal aux gros combos qui font mal, mais attention à pas se faire baiter quoi. Je sais pas exactement comment la méta va se développer autour des baits de burst, mais on verra probablement quelque chose. Peut-être qu'on aura encore des combos à base de PPP qui vont baiter. On verra bien. Quoi. Voilà. En tout cas, là, je pense que le prochain match est prêt. Alors, pronostic entre Noraini et le joueur mystère, Sonic San. Pour qui votes-tu? Moi, j'ai voté pour le joueur mystère. Le joueur mystère qui est San. Et Masker, qu'en penses-tu? Noraini ou le joueur mystère? Noraini, je l'ai déjà vu. Il traîne pas mal sur le serveur français. Je vais voter pour lui. Hein. C'est un gars de la commu. C'est vrai, c'est un gars de la commu. Alors, je resette les scores. Hop là. Et après, je lance la première raffle. N'oubliez pas, tapez une point d'exclamation le grand bleu pour tenter de gagner Noraini, un jeu aléatoire. Qui est toujours en train de militer pour qu'on ait Ariels dans Strive d'ailleurs, donc si jamais ça arrive, hein, je pense qu'on le verra sur le jeu un peu partout. Yes, alors, San et Noraini. Noraini France, San, drapeau mystère. J'ai plus qu'à faire ça, voilà, on est prêt. Maintenant, le bot pour la première raffle. Comment je fais le truc? C'est là.
Alors, allons-y, allons-y, allons-y. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est là. Voilà. Alors, qui me dit stop? Bah écoute, Sonicstan, je te laisse faire, vas-y. T'étais là avant moi. Stop. Et c'est Sama165 qui gagne le premier jeu mystère. Alors, il va devoir me dire un chiffre entre 1 et 7 ou la clé mystère. Parce qu'on m'a rajouté une clé mystère derrière, juste au début du match. Alors, est-ce qu'il est là? San et Sama, est-ce qu'ils seraient pas de la même famille finalement? C'est vrai, hein, peut-être qu'il y a Sama. Peut-être qu'il y a Kun aussi qui va bientôt arriver. Ah, c'est vrai. Alors, Sama qui choisit la clé mystère, est-ce que tu es sûr de choisir la clé mystère? Est-ce qu'il est sûr? Oh, il l'a dit, je pense. On va voir sûr, comment j'envoie les MP Twitch. Il est là pour faire un pari. Il est sûr de choisir la clé mystère. Et du coup, il part avec la clé mystère qui est une clé pour Guilty Gear XX AC+R. Félicitations à lui. Oh, hop là. Je lui envoie en message privé tout de suite. Hop là. On espère que t'as pas le jeu, l'ami. Bah, au pire, tu fileras un frère, c'est tranquille. Mm. En tout cas, Fix Misty, il va être content. Plus de gens pour plus R. C'est ça. Voilà, donc, une clé mystère à GG assez plus R. Maintenant, on va pouvoir démarrer le prochain match qui est San face à Noreini. 51% pour Noreini. Je crois que c'est inversé. C'est qui est... Noreini, c'est le Angie. Hop, on inverse. Allons-y. Alors là, par contre, je peux normalement virer la musique, il n'y a pas de commentateur ni rien. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Hop là. Et là, je peux mettre le son. Ok, let's go. Du coup, hein, toujours ce magnifique aigle. Ce pigargue à tête blanche, hein, n'oubliez pas. Hein. C'est vrai. Ceux qui connaissent toujours, le Sky Should Be High derrière. L'une de mes musiques préférées dans X-Third, très très cool, même si on l'entendait pas trop, parce que c'était surtout pour les boss du mode arcade. Donc je rappelle, hein, les replays, on les a pas regardés, hein, on les découvre avec vous. C'est des vidéos qui existent depuis maintenant une semaine. Alors, vous me dites... Du coup, ça laisse quand même les intros tranquilles. Ouais, là, c'est vrai, ça, c'est la couleur 6 de Angie, en fait, c'est pas la couleur 1, il a deux couleurs bleues. Ouais, c'est juste des éventails qui changent, quoi. Des éventails. Des éventails, il a... Son bandeau est blanc aussi, alors qu'il est bleu de base, je crois. Alors allez-y. Ah, si, on voit quand même un petit peu la différence. Du coup, Noreini ici qui balance un petit peu la grosse mécanique du perso, c'est que il a plus de guard points comme il les avait dans Plusser et dans XX tout simplement. Mais par contre, il a des coups qui font des espèces de petites esquives comme ça. Et ça peut lui permettre de prendre l'avantage en fait. Surtout qu'il peut le faire naturellement en fait, et je crois que ça sort même frame 1. Hein. Il peut le faire en reversal. Il a sur son espèce de coup entière où il saute, qui met quelques coups. Et il a sur son coup jean un peu pour faire comme l'invulnérabilité qu'il avait dans l'avant. Là, on l'a vu un petit peu tournoyer avant le coup jean. Il s'attendait peut-être à un match de la part de San. En tout cas, San qui prend là ce premier round de manière assez convaincante. Noreini qui fait la toupie encore. Allez, c'est parti pour le set tous les deux. Inno, tac, tac. Donc Inno, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, évidemment, elle a un overdash un peu comme Morrigan dans Darkstalker, il me semble. Et tout simplement, en fait, c'est un perso à base de beaucoup de setplay, beaucoup de mix-up, beaucoup de trucs. Elle te fait tomber, elle met la note et puis c'est la misère. Faut réussir à sortir, c'est pas facile. Du coup, elle a des mouvements un peu bizarres, un neutral un peu étrange aussi, mais elle s'en sort. 5 à 6 H, c'est bien. Attention. Ah. C'est pas une safe, ça. On a vu un petit RC ici de la part de Noreini pour safe-iser le Rin parce que les follow-up du Fujin sont bien négatifs. Et premier match pour ça, mine de rien. D'ailleurs, c'est un FT combien, FT 5 ? 5. Il n'y a que des FT 5 aujourd'hui. D'accord. Très bien.
Voilà, encore un petit spin. Ah, c'est dommage, il y a eu un bon réflexe de la part de San qui a décidé de passer en dessous de la contre-attaque de Noreini là avec ce prod de Bitcoin. Je ne sais pas si on peut dire ce nom sur Twitch en faire ban, mais si c'est le cas, je suis désolé à Coral. C'est pas mon intention. Et un petit peu de FD ici pour repousser Inno. La FD, ça a toujours été un peu la hantise des Inno, parce que comme ça la repousse loin, elle doit forcément tenter de se réapprocher. Petit 2S ici pour contrer cette approche. Noreini qui est en difficulté pour le moment. Bien bloqué, hein, le Cielo Kami Call. Yep. Kami Call, je crois que pas mal de persos peuvent courir en dessous maintenant. Mais oui. Ça reste quand même un truc qui va assez loin, faut y faire gaffe. T'as certains persos qui peuvent même juste exister en dessous, hein. Tu regardes Giovanna, elle a juste à être là. Ça la touche pas en fait, tant qu'elle bouge pas. Effectivement. Mais en même temps, Giovanna, elle a une pose un peu bizarre où elle est un peu baissée tout le temps. Hop. Bien joué ici 5K. Un petit peu trop tard, hein, le papillon ici. Ouh, bien joué ça. Et Dust, normalement, ça c'est le round. Hop. Bien joué. Ok, c'était un Dust un peu fourbe, hein, mine de rien. Il a dash chargé le Dust comme ça à fond. Mais ça n'a respecté, du coup, c'est bien passé. Petit STBT, celui-là, il est plus. En fait, faut faire gaffe parce que il y a un STBT court qui est négatif et un STBT long qui est positif. Mm-hmm. Mais c'est un peu plus facile de choper le long, évidemment. Ah, il a bien attendu le burst ici qui est pas sorti et qui finalement il est sorti en décalé. Bien joué Noreini ici, hein, qui avait été patient. Le 6P, hein, vous sautez pas sur Angie. Hein. Le 6P est l'un des meilleurs du jeu, je pense. Hein, à voir une fois le final arrivé. Oui. Franchement, même ne serait-ce que visuellement, tu te dis ouais, cette attaque elle est bien. C'est ça. Hop, bien joué ici la bloc. Aïe. Par contre, il se fait ouvrir. Et c'est dommage. Ouais, le petit jump hash. D'ailleurs, il y a eu un peu d'agitation sur Twitter parce qu'à un moment, les gens ont cru. Parce que quelqu'un avait dit en fait, ouah, le jump hash de Inno, c'est un mid. Oui, en fait, ces personnes s'étaient plantées. Je ne me souviens plus de ce que c'était l'explication, mais il y a bien au moins une heure où tout le monde a cru qu'ils avaient transformé le jump hash de Inno en mid et que le perso était mort. Peut-être qu'ils voulaient juste faire peur à tous les joueurs de Inno et c'était réussi, je pense. Ah, je. Ou peut-être ou guaquer tout le reste des gens qui ne voulaient pas jouer contre nous. Hop, papillon, voilà, cette fois c'est bon. Petit papillon ici. D'ailleurs, le papillon qui se transforme en oiseau maintenant. Ouais. C'était dommage par contre la fin de run shop qui est devenue run rien. Ça a toujours été le cas en fait. Hop, attention. Petit burst de la part de Noreini, c'est un peu risqué ce burst. Il a tenté d'enfuir ici. Fujin, San qui a pas voulu avoir à gérer cette situation. Ça spin à travers la note. Tac, petit Fares. Bien joué le 6H, Fujin, Rin, oh ça fait reset en hit. Bien joué, fin de run shop, 5K, 6H, hop. Ça c'est plus, il a quand même RC pour peut-être avoir un petit peu plus de possibilités, malheureusement ça donnera rien ici. Hit note en neutral, RC pour être sûr de pas se faire finir, même si c'est peut-être pas nécessaire. Aïe. Ouais, tout le monde a Gatling sur 5P, c'est juste c'est pas forcément un link, mais tout le monde a effectivement Gatling sur 5P. Hein. Hop. Joli ici, c'est dommage, il a pas eu tout le combo, mais on l'a vu quand même faire l'esquive une pousse 5S qui avait bien hit l'adversaire. Mm-hmm. Ah, petit 2K ici. 5H. Fujin counter, ça va faire mal. Ah, c'est dommage, il a raté. Il me semble le ring là, donc l'overhead après le Fujin. Mid-screen, il faut le link avec un 5K et dans le corner, c'est avec un 5H. Petit papillon en reset de pression ici. Ah, c'est ça va pas tuer, ça va pas être loin. Ah c'est dommage, il a raté la fin. Tiens d'ailleurs mon micro il sature pas trop, tout va bien. Visiblement tout va bien, par contre c'était dommage là, il a bien décalé pour pas prendre le burst derrière le Red RC et finalement il l'a pris quand même. Attention hein, il y a toujours le burst du côté de San, je pense pas qu'il va le claquer. Attention Noreini ici à 50%, il faudra peut-être faire quelque chose, tenter de faire un coup, P. Bah punch. 5P, c'était déjà un gros classique de Angie sur plusieurs. Ouais. Donc une fois, bien joué, il rend hommage au perso. Mm. Ah, joli shot. Ah, un petit jump low, la classique Dino. Ah, elle a pas osé continuer à embrouiller ici, hein, elle a eu peur. Attention. 6-6-H qui en tire un petit peu. Le 6-H a une grosse hitbox. Hein. Mm. Joli 6P, elle a voulu continuer avec le coup en tire, malheureusement, c'est pas passé.
Norini qui court sur toute la map site fait, mais cette pino était déjà beaucoup trop dans les airs. Plein de spins, joli 5S ici. Enfin, close S plus. Yep. Fujin, bien joué, ça le RC parce que c'était une 7. Je sais pas si elle pouvait punir à cette distance, Inno. Hein. Ah, quoique, ouais, petit stroke. Bonne question. Je crois que c'est moins 7. Ah, c'est le pas mal. Follow-up low. Ah, bien matché ici, ouais. Et ça prend ce stroke. Cool, tranquille, mais c'est cool. 3-0. Et c'est 3-0. Allez. Allez, Norini. Yep, on y croit. 5H, c'était risqué. Ça a trade. Ok, petit spin. J'aurais pensé à une shop, mais ça m'a été bien patient. Tac. Petit 5K, Fujin. Bah, par contre, ça a été puni avant que le Rin sorte. Fujin, ça c'est plus. Bien joué ici le RC. Ouais. Gros décalage dans le high jump ici, attention. Attention au Kenko là. Les petits RC évidemment pour continuer à être plus sur la pression. Joli là, il a couru en dessous de la note qui avait été faite d'un peu près. Ouais. On spin. Pas assez près par contre le spin pour pouvoir mettre la chope derrière en punition. Bien joué, ça a le counter. Malheureusement ça a mis au sol et ça a pas très haut réagi sur le mitti derrière. Oh, ça a bien évité ça, par contre ça évite pas la suite. Aïe, ouais, aïe. Je pense que le Stoz il était un peu paniqué ici. Je sais pas si c'est ce qu'il voulait. Hop. Ouf, Yardash, c'est rien. Joli. Ah, attention, ah, non. Derrière Ko, hein, là, le saut de Angie, vous pouvez bouger, hein, faites pas rien derrière. Ici, hop, c'est dommage ça, hop. À briser avec la note, ça c'est dommage, hein, du côté de San, mais bon. Ouais, c'est ça. Vaut mieux ça que rien. Il aurait peut-être pu tuer avec la super, sincèrement. Aïe, aïe, aïe. Qui est notre RC ici. EJH, qui était bien overhead. Ouais, la guitare dans la bouche. Hein. 4-0. Ouais. Barrière audacieux, prêt à tout miser, hein, comme l'a dit l'écran des résultats, c'est compliqué pour le moment. Joli Faret. Allez. Ah, il a foncé dans la note. Ah, c'est dommage, Dino qui a réussi à punir ça ici. Ça reste plus avec le RC. Ah, je sais pas si c'était un 6P ou quoi qu'il a voulu. Tac. Fujin, Rin qui passe, il y aura pas de combo derrière. Ah, c'est dommage, le TKH 5K qui a empêché le 2D de confirmer là, ça va peut-être lui coûter le round. Non, c'est bon. Pour l'instant, ça va. Ah, ça va pas du tout. Si, ça va, 5P. 6P, tu sautes pas. 5P, 2K. Heureusement que ça passe. Ouais. Il va me faire une crise cardiaque. Il peut encore avoir San. Snap fond sur le. Ouh, la chope. Papillon. Ouais, aïe, non, aïe, il était aïe. Trop frais, il était beaucoup trop frais, malheureusement. C'est déjà un truc qui existait dans Pulsar, c'est que si l'adversaire est trop près du point, en fait, le papillon peut tomber derrière lui. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'oki avec. Ouais. Faut toujours avoir une certaine distance. Closest counter ici. Ouais, par contre, San qui respecte pas cette approche hein, de la part de Norini, il a raison. Aïe! Ok. Norini qui burst, ça va être un petit peu sa dernière chance ici. Ah, ce RC par contre avec la super, ça peut peut-être tuer. Ah, il a pas super. Ah, non. Ouh, il a lâché. Il a réussi à péter le mur. 6H. Ko. Double RC. Oh loulou, ça coûte un peu cher là. Aïe, aïe. Ouais, je pense qu'il était pas tout à fait sûr de son combo. Ouais. Là, il y a à peu près n'importe quoi qui pourrait le tuer, faut qu'il fasse gaffe. Bien sauté au-dessus de la note. San qui ose pas trop s'approcher. Ouais, la note, oui, il passe au travers. Ah, c'est le stroke final. C'est le stroke final. Et c'est donc. C'est un 5-0 pour Sam. C'est 5-0. Mm. C'est effectivement 5-0 que. Sur ce 5-0 que ce FT va terminer, malheureusement. Donc, dommage hein, ici hein, pour Norini qui. On sentait hein, les petites timidités face aux options du perso hein, qui n'étaient pas trop sûr de ce qu'il faisait encore. Surtout le double RC à la fin, là, ça coûtait un petit peu cher pour finalement pas grand chose. C'est dommage. En tout cas, bien joué à lui quand même. Hein. Il y a eu de beaux trucs, les dust. Hein. Il a pris des rounds. Non, c'est pas un 5-0 non plus aussi violent que ça paraissait. En tout cas, vu que c'est une Inno qui a gagné qui s'appelait San. San signifiant 3 en japonais et en chinois, je vous propose de passer et de taper point d'exclamation 3.
en lettres, en toutes lettres, sur le chat pour gagner la prochaine clé mise en jeu dans ce stream. Donc, point d'exclamation 3, je rappelle, si vous êtes follower, vous avez une chance d'être tiré au sort. Sinon, vous avez 3 fois plus de chances d'être tiré au sort si vous êtes sub à la chaîne. Donc, je vous donne les points. Attendez, je remets le planning ici tout de suite sur la chaîne. Si j'y arrive, pourquoi il veut plus? Mais s'il veut, tout va bien. Merci pour les follow, Lévin, et allez, 33,91. Je donne les points en attendant le pronostic de Sonic-san et de Masker sur le prochain match qui est Dricius Calling, deux joueurs de Smash Alors, Bros. Dricius c'est pas mal un gars de Smash à la base. Il fait quelques events, il fait pas mal de streams. Et c'est un gars qui a découvert Guilty Gear il y a pas si longtemps, il me semble, qui est tombé très amoureux d'Axel. Qui était son gros perso du cœur. Il a joué un peu sur X-Lord, il a joué un peu sur Pulsar. Je pense que... Ouais, il a joué pas mal à Grand Blue aussi. Je pense qu'il commence quand même à se faire un petit niveau. Mais Calling, pareil, c'était un autre gars de Smash qui a pas mal débuté avec Grand Blue. Qui a eu une Elfelt sur X-Lord qu'on a vu quelques fois justement chez toi, Coral. Personnellement, je donnerais plutôt l'avantage à Calling. Mais je pense pas que... Je pense pas que ce soit un no match pour Dricius, mais comme ça, je verrais Calling un petit peu au-dessus, personnellement. Du coup, Calling pour Masker. Et Sonic-san ? Moi, en fait, je dirais, vu le match-up, ça doit être, je dirais, plus pour Dricius, parce que vu qu'il joue Axel, c'est vraiment pas super honnête comme perso. Et en face, il y a Calling, peut-être, qui connaît un petit peu moins Guilty. C'est un peu difficile. Puis en plus, je pense Dricius, il a quand même, même s'il a pas joué longtemps à Guilty, il a quand même des bonnes bases en jeu de baston en général, donc il y a moyen qu'il s'en sorte bien. Mais je pense que Calling a peut-être un peu vu Axel, mine de rien, parce que Dricius, Calling, ils se sont pas mal affrontés, il me semble. Ok, bon, c'est cool alors, c'est encore mieux. Donc ils se connaissent un peu, je pense. Mais Calling qui nous dit qu'il a 2 heures de jeu sur le replay. Bon, c'est peut-être pour Dricius, je ne sais pas. c'est vrai que Giovanna, c'est ouais. Pas Elfeld. Aussi, non, donne pas là. Là, tout le monde met les points sur Dricius. La stratégie. Et voilà, Calling, tu pètes le spectacle, t'es pas drôle. Non, bon, pour revenir plus sérieusement. Même sans ça, il y a moyen qu'on puisse voir du beau match. Ouais, alors... Je pense que ça peut être sympa, oui. Donc, on continue. C'est pas en termes de Guilty, c'est pas les plus vieux de la vieille, mais je pense que ça peut faire quelque chose de sympa. Merci le petit Kawa aussi pour le follow. Hein, point d'exclamation 3, bientôt, hein, pour le tirage au sort, juste avant le début du match. C'est un replay. Alors... Particularité, il y a 2 particularités de cet enregistrement. La première particularité, c'est que c'est un enregistrement d'un stream, donc j'espère qu'il n'y a pas de vulgarité. Hein. On fait un gros bisou à NTK, parce que ça vient du stream de NTK, ce replay. Et la deuxième particularité, c'est que c'est un replay offline. Voilà. Ah. C'est un FT qui a été joué offline, vous le savez. D'accord. Voilà. Mais ils sont du même coin de Oui, Paris. Ah d'accord. Enfin Paris, bon, je sais pas où. C'est vrai que Paris c'est grand après tout. Ouais, c'est grand. On avait dit que c'était qui commentait celui-là, je sais plus. Je crois que c'est moi et à Coral. Ok. Ouais. Est-ce qu'Agas c'est toujours pas pointé? Ben d'ailleurs Wandral, toi qui es dans le chat, tu peux nous dire s'il est là parce que on l'a ping. Mais... Après peut-être qu'il a prévu autre chose. Oui peut-être. Et puis peut-être que. Ouais, peut-être qu'il s'est senti fatigué, je ne sais pas. Ouais, hein, il a pas signé un contrat à vie de devoir consacrer tout son temps ici à commenter. Voilà, d'ailleurs. Contrairement à moi, évidemment. Vu que, comme vous avez vu, qu'en Corée du Nord-Pas-de-Calais, il fait déjà nuit, je vais devoir allumer ma lampe. Voilà. Non, mais écoute, s'il vient pas de lui-même... Voulez-vous que j'aille l'emmerder ? De toute façon, quoi qu'on réponde, il ira l'emmerder. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on te réponde ? C'est vrai, monsieur. Donc, ça va être... moi, Sonic Sand, pour l'instant. Hop là, Sonic Sand. Très bien. Tout est prêt. C'est qui dit stop ? Vas-y, Masker, dis stop. Ok. Stop.
Et c'est Over qui gagne la deuxième clé. Alors Over, tu as un chiffre à me donner. Ah bah t'auras pas perdu ton sub. Il n'aura pas perdu son sub, effectivement. il aura le droit... Il doit me donner un chiffre entre 1 et 7, Over. Pour, Vampen, il est pas français du tout. C'est juste qu'il est dans un event FR. Mais il avait joué avec Popotino, donc... Voilà, et il a donné Popotino, son autorisation. D'ailleurs, Popotino, très hâte de le voir aussi, parce que... Ouais. Popotino, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez apprendre à le connaître assez rapidement. C'est ça, Popotino, c'est quelqu'un, si vous avez un doute, vous avez déjà perdu. C'est un peu voilà, ça. ça fait un peu partie de cette catégorie de joueurs. Alors, Over A, qui a pris le chiffre 7, que se cache derrière le chiffre 7, je consulte le sponsor Dojonor et il nous gagne une clé pour la version PC de Tekken 7. Voilà. Félicitations, Over. Voilà, c'est une clé de Tekken 7 qui est tombée. Ou d'ailleurs, ils sont à la saison 4, je crois. Je sais plus. Oui, c'est ça. Voilà, Tekken 7, jeu de base, il n'y a pas le Season Pass, il a une clé de Tekken 7. Voilà. En tout cas, ouais, clairement, Over, t'auras pas du tout perdu ton sub. Hein. Voilà, la rentabilité du sub, c'est bien. C'est ça, c'est un cadeau de bienvenue, écoute. Maintenant qu'on nous sommes prêts... Voilà, une petite vidéo sur Tekken, STP, mon ref. Voilà, on va voir la petite vidéo de combo de Tekken qui va arriver très bientôt. Pourquoi il n'y a pas le truc en entier? Ah, ça commence bien. Alors... On voit bien les trucs des logos FLC. Ouais, ça vient du stream de TK. Hein. On voit bien que c'est un stream. Tiens. Je vais peut-être juste bouger comme ça pour. Non, ça va rendre le truc moche. Hein. Pour pas fausser non plus. On entend les voix aussi du stream d'origine. Peut-être que je vais baisser et laisser la musique. Je sais pas. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. On va voir cet un. SK est là, SK est parmi nous. Je suis désolé. Mon cerveau il est un peu bugué. C'est pas grave, tu arrives. Du coup, attends pour commenter ce match. Drikius Calling, es-tu chaud? Drikius Calling, allez. Hein. Axel donc Giovanna, t'es chaud? Allez. Bah voilà. Vas-y. Commente avec moi, SK. Et puis... Allez. Voilà. Moi je contrôle le son, voir s'ils disent pas des trucs méchants. Ouais. Je suis au cas où, au dernier moment. Allez. Et donc... Le retour son. Comme ça, NTK voilà, pourra les punir si... Donc... J'ai fait que ça. Ah, il a pas pris la couleur de karaté, Drikius. Fallait piquer tant de fois. Ah bah ça respecte karaté, c'est normal. Hein. Je pense que en vrai, Giovanna doit un peu galérer à Gatine si Drikius est chaud sur les entières. Mais là, dès le round start, Kelling a réussi à s'approcher. Pour l'instant, les approches par les airs sont pas trop punies par Drikius. Bonne shop trouvée par contre qui permet de changer de côté. Encore un jump. Le burst dans le vide. Ok. Ouais. Il a une vite fait une finition. Ah, ça c'est. Ok. Oh, wow. Ça punit. Oh, ça punit. Oh, la vache. Mais c'est il a rien voulu entendre Killing, il m'a fait je t'en tire à la super. C'est comme ça qu'on en tire, mec. Quoi aussi. Allez. Ok. C'est... La vraie phase. Ouais, voilà, complètement. Allez, le bondage. Ça y est, c'est chiant. Ouais. Ça y est, c'est bon. Ok. Ah. Encore un pif de super. Killing, oh, il avait... Ouh, la barre. Il fait très très mal ce super. Et pour l'instant, ok, ça c'est bien trouvé, la mise au sol. La chop. Ok. Ça tente le One Vision, hein. Ouais, mais ça s'est fait instant punir après. Mais attends, il y a genre une heure. Il y a genre une... Honnêtement, les deux sont déchaînés hein, dès le début. Je rappelle, Escagas, du coup, qui a pas eu l'info, c'est un match offline, hein, pour info, ce replay. Ok, donc ça trait counter, aucun avantage pour les deux. L'over est pas convoté, je sais même pas si convotable celui d'Axel. Ah ouais, Goldberg. Mon dieu. Ok. Il va faire un Drikius avec un petit RC défensif. Okay. Ouais, mais ça ne permet pas de sortir du coin. Il va continuer à se faire pressuriser par Giovanna. Encore un autre RC et il sort pas du coin. Hein. Ah voilà, c'est bon. Il a réussi à s'en échapper. C'était déjà plus rentable. Encore une fois. Ah, c'est passé derrière. C'est Drikius, c'est vraiment dommage. Voilà, là il punit enfin une des approches aériennes de Kelling.
C'est sa continue entière. Attends, il a réussi à cancel son espèce de coup avant pour pouvoir punir le sou en l'air. Aïe 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 aïe, c'est pas mal. Hein. C'était violent. Bonne phase. Ok, ça c'est bien trouvé. Donc là, les deux se regardent. Trop bas haut. Pas très proactif en notre Adacus. Ah la chope. Oh, oh dommage, ce qui était pas Manu. Du coup, c'est juste un petit overhead. Mm-hmm. Voilà, là ça bloque bien, mais c'est positif. Oh, le Ghost Burst Gold encore. Ouais. J'espère qu'il va juste pas faire que des RC défensifs avec. Ouais. Oh, wait. Oh, bon, allez, là ça va manger. Hein. Ok. Et retrouve encore, s'il te plaît. C'est ça. Oh, wait. On en repasse. Okay. Ouah, bon. Oh, ok. Burst instant, c'était bien trouvé, la shop. Alors, et. Normal. C'est... Non, mais la shop. C'est gaffe, ouais, un mec qui saute. Elle est un peu bougée. C'est bien trouvé là. Et... Wow. Ah. Ah, très bien. Ça met pause dans le replay. Me pose. Let's go. Ça l'unifie. Ça prend un screenshot dans le replay. Pose en plein match comme ça, c'est disqualification. Ah, c'est disqualification normalement. Ouais, explication, Ladricus, s'il te plaît. Si... Ouais, voilà. Très bien. Reparti. Let's go. Voilà, donc. Bien trouvé, la bonne bonde à shop qui a été trouvée. Mm. Ça a essayé de faire un petit chimie chelou de la part de Queen. Decaling, ouais. Oh, ok, bien trouvé l'overhead. Il semble pas savoir trop comment gérer l'overhead de Giovanna. Mm. Ok, ça bloqué. Okay. Ça l'a ramené, mais vraiment, ça l'a ramené juste devant le visage de Drake, c'est super. Ça a pas mal aidé. Ah, déjà 2-0 pour Calling. Calling qui nous fait une mentière à nous deux. Très bien. Après, il y a la théorie du match-up, mais. Bah, Calling qui disait Calling... Oh, j'ai joué que 2 heures au jeu. À un moment du replay. Franchement. Ça marche bien. Non. Ben... Sa Giovanna est efficace, elle a compris qu'elle était les quelques trucs forts du perso et il arrive à les utiliser là où Rekius n'arrive pas à setup un bon jeu de zoning. Après, c'est pas vraiment facile. Il n'arrive pas à faire son jeu de Rekius pour le moment. Voilà. Et la bonne shop qui a été trouvée cette fois-ci, le RC pour augmenter les dégâts, malheureusement, c'est pas forcément full combo. Okay, ça envoie dans le coin, la pression, et voilà, ça enfin puni. Ça enfin puni. Normalement, vraiment, les Giovanna n'ont pas trop le droit de te faire ça. Les saltos comme ça, ouais. Le salto, c'est sol pointé, le cannon strike, c'est trop va haut. Et je me demande s'il passe à travers le Rensen, je pense que oui, hein, vu que c'est un projo. Le trop va haut. Ouais. Bah, il me semble qu'on a vu ça tout à l'heure, ouais, il était complètement passé à travers le Rensen. Hein. Ok, bien trouvé. Du coup, ça devrait être compliqué pour Axelina. Burst rapide. Et Wouah, direct ça. C'est tout ras là. Ouais. Zakir est chaud. Ça piffe la super. La chope. Moi, je paye. Et la chope encore une fois. Encore. C'est dingue comment elle encaisse, hein, Giovanna, en fait. Hein. Ouais, Giovanna est plutôt tanky, ouais. 2-1 du coup. Ouais, j'ai mangé une pique assiette tout à l'heure, mais je crois que... Ouais, Drakus, il a réussi à bien s'en sortir. Kaline, pas chaud pour sauter sur les shops. Ok, bien puni, ça. Il y a quelqu'un dans le chat du stream original qui nous dit que sa mère lui a pris des donuts crème brûlée. Et ouais. Je sais pas qui tu es, mais je suis content pour toi. Bordel. Je rappelle que c'est une archive de stream de chez NTK, hein, si vous vous demandez c'est quoi là, en bas à gauche. Ok, bien trouvé l'entière. Le stop the time. Oh, et... ça l'a placé. Oh, c'est mort. Ça l'a placé. Oh, oui. Ça a placé One Vision. Non. Le RC du riche. Incroyable. Le RC du riche, j'avoue. Le RC sur toute la map, tu vois, en mode ouais, vas-y. Comme ça, t'as. Ok. Ça Axel il fait les RC de Xer donc. Oui elle avait bougé la Gio, hein. Ça passe, ça se bloque hein, le time stop. Ouais le time stop se bloque.
Mais genre t'as rien droit à faire d'autre que bloquer. Ok, bien trouvé ça. Rekius qui a pas bien réagi, ça met par contre la chope dans le coin. Le Dust, pas de RC pour comboter. Et super. Ça on a mort de mettre la garde. Oh la punition. Oh, puni- oh le gold. Ah, ah, Zakir est chaud. Ça va toucher, ça tue pas par contre. Ouais, ça a pas touché complètement, mais. Bah, t'as pas trop et le Ralsen qui permet de tuer. Voilà, hein, Rekius qui est en mode. Allez. Finis ses conneries, hein. C'est il est rentré dans son match. Il a fait décalage Rensen bombe. En fait, si vous réappuyez sur S après le Rensen, le bout de la chaîne explose en fait. Ouais. C'est une des nouveautés de ce jeu. C'est un note de follow-up de Rensen qui est clairement très très bien pour le zoning en fait, ce follow-up. Ok, ça. La Champ P qui a snipé à la route, qui a tenté de sniper à la route, mais ça n'a pas marché. Par contre, cette fois-ci, Kaling est dans le coin. Directement la chop et bien joué en tisso là, hein. là. Il aurait pu tuer hein, quand même derrière le il aurait fait juste One Vision ou super ou RC en fait il aurait pu tuer derrière cet entier hein. C'est dommage mais bon il a gagné quand même ouais. Ok donc allez le bondage la pression ok bien trouvé, ça met dans le coin la chop. Il y a chop ou pas chop, mais j'ai te chop quand même. Le mix-up chop est assez est très très important dans le jeu, de ce qu'on a pu voir de la bêta. 2D counter. Ouais, bien trouvé, ça va permettre à Rekius de gagner de l'espace. Et à 2H du counter, pas confirme malheureusement. Et RC, mais ouais, ça a mangé derrière, ça. Oh non, faut faire version foncée des dust s'il vous plaît. Mais... Ouais, ou sinon faites dash up si vous voulez faire ce genre de truc. Mais ouais, ah, j'avoue, dust de base. Ouais, surtout que allez, contrairement au Calling, tue-le. Calling qui lui manque un coup, par contre il a pas de metteur, il est loin, ça peut être. Ah bah voilà. Trop bas haut. Il a juste foncé dedans. Il a pris Giovanna entière dans la bouche comme ça. Trovao, ça c'est... Oh, je rappelle. Le chien est vraiment trop stylé. Ce Trovao, ouais. Je rappelle, ça passe à travers les projos, hein, donc c'était très bon choix là. C'était vraiment la bonne idée. J'aurais peut-être juste pu avoir un 5P pour le check, mais ouais, c'est. C'était pas sûr en plus. Hein. Ok, bien trouvé ça. Ouais, bon d'achop. Ça a bien chimie autour de la shop pour pouvoir punir après. Peut-être que une punition shop c'était un peu léger par contre. Oh, ça va, c'est... tant que ça punit. Tant que ça punit, c'est bien. Ah, bien trouvé ça. Mais on pas confirme. Et là, par contre, ça va être confirme. Ok, un petit, ouais. Petit bout de pixel pour tuer, c'est bon. Non, le travail est presque fait. Non, est-ce qu'il. Non, ça met le One Vision. Ah, c'est dommage, là, il aurait pu le mettre. Ah, bah voilà. Ah, encore, il a perdu. Je vis pas. Et voilà. Prochain coup, ouh, c'est la mort des deux. Faut pas whiffer avec Giovanna, faut pas whiffer contre Axel. C'est ça. Ouais, One Vision, ouais, c'est pas ouf, hein, mais il a voulu faire le beau jeu pour gagner les points de style. C'est important, hein, les points de style. Hein. Bien joué sur Ooster Thrace. Ouais, par contre. Belle esquive, ça va être. Eh, hey, j'en ai marre, le timing pour. La pression de Killing est vraiment basée autour du dash shop. Après, c'est très très fort. C'est très fort parce que contrairement dans les anciens Gulti, t'as pas à t'arrêter pour choper dans le jeu. Hein. Et ça ouais. c'est vraiment un truc qui rend le mix-up shop beaucoup plus fort que dans. Bah, c'est beaucoup plus fluide, ça sort plus vite, entre guillemets, vu que tu t'arrêtes pas. T'as pas c'est besoin ça. De t'arrêter dans ton momentum de dash, donc ouais, c'est assez fort. Ok, ça touche à l'autre bout de la map, la shop. Loki à la shop, faut vraiment être capable d'y réagir. Ouais, le coup de genou, dash shop, dash avant HS, ouais, c'est un très très bon mix-up. Hein. Allez, bien trouvé ça. Ça va mettre. Rekius dans le coin. Oh, ça a chopé. Et ça chope. De Kaling se fait souvent choper à la retombée de ses sauts. Hein, c'est. Oula. Et la super. Ah, par contre, ça a bougé. Ah oui, hein, ça. Oh, la porte. Oh, c'est Il a vu le 6K.
c'est un counterpoke, tu vois, c'est un counterpoke à la super. Là par contre c'est bien trouvé, la chop par contre qui est pas forcément meilleur timing. Il avait vu le 6K. C'est difficile pour Giovanna, Et elle réussit à rentrer dedans quand même. Il y a combo derrière, non ? Aïe 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 ! Ça va mourir sur ça, ouais, ça va mourir. C'est tragique. Aïe aïe aïe. Complètement Kaling, faudrait peut-être lui envoyer un lien dans vite pour les 6 frames rectables. Hein. Ouais, surtout qu'avec la super sur le 6K, là, c'était 6 frames rectables, ça. C'est complètement 6 frames rectables, hein. Ça fait partie de notre ligne... Pour les joueurs. Éditorial. Ouais, bon, allez. Voilà. Bien trouvé, c'était toujours positif. Ok. Zoning. Oh, ah, oh, et... oh, ça va, il a pas été. Il a Rensen dedans. Ouais, mais ça, je pense que ça a Rensen à la retomber en fait quand le coup était quasiment fini. Donc, mais je le savais. Tu l'as déjà fait Ok, donc là ça met la pression dans le coin, c'est positif, malheureusement ça fait 2P donc ça peut pas comboter, par contre ça, ça va faire mal. Et... Et le salto avant. Trovao. Un petit Trovao pour finir le match. Wall break Trovao, ça va être la grande phase. Contre Axel c'est valide hein. Non mais c'est... Contre Axel c'est vraiment des bons outils pour tenter de presser, tenter de pressing, mais voilà les 2P qui... Qui check bien les Trovao. Et c'est comme je pensais, hein, pas facile pour Giovanna d'approcher dans ce match-up quand le jeu de zoning de Axel est installé. Hein. Giovanna. Étant pas si mobile que ça. On va dire que c'est Familia. Ah, dommage. Un peu loin, le RC et la shop qui va pouvoir tuer. Et qui était bien trouvé. Ça, son camp, ouais, son... On sait combien c'est du FT5, c'est ça? C'est en 5, ouais. Il y a 4-2 là. Voilà. Déjà, une petite balle de match pour Drake Cruz. Ouais, c'est une balle de match pour Drake Cruz. Et donc, faut faire attention à bien trouver le 2D là. Et ça va faire le full combo. Double Sepultura. Le petit wall combo. Il aurait pu mettre la super, hein, cela dit. Hein. Il aurait. Mais. Ah bah. Ouais, là, ça préfère IRC. Ça oblige le burst de Drake Cruz. Et là il a encore 50 de metteur, faut voir comment il les utilise. Chop plus il est pas puni. Il a sa mort en 2H, c'est tellement dommage. Boum. Ça sort une arnaque, non? Oh ça sort l'arnaque. Je sais pas, elle se met via arnaque. Ok. Ouais ouais. Vision ratée. Ah One Vision. Ok. C'est Pultura dans le One Vision, voilà. Ça veut rien savoir. Et ça a tué Kaling qui sauve sa balle de match. Ouais, 4-3 ouais. On monte tranquillement. Allez. Oh là 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 là. Le board très rapide, mais par contre pas puni. Plus il était whiffé. Là par contre, c'est un top counter. Dust. De base, malheureusement, c'est pas. C'est pas comptable, Dust. Oui, oui, oui. Attention à un burst là. Ok. Faut faire attention au rôle, vous burstez sur Axel. Encore 6 frames rectables. Je vous finish à la super, ça veut rien d'entendre. C'est wallbreak, sérieux? Oui, c'est wallbreak. Oh, en fait, le wallbreak fonctionne un peu bizarrement parce que si tu forces sur le mur depuis le mid-screen, assez souvent ça wallbreak un alors, instant. Là, la seule règle, c'est que juste la super, le dernier de toutes les super wallbreak. Peu importe le contexte. Voilà. D'accord, okay. C'est la règle. Bon, voilà. Ok, parce que genre, le wallbreak, ça c'est bizarre. Hein. Un autre truc à noter, c'est que aussi si vous cassez le mur avec une super, ça donne hard knockdown au lieu de juste avoir l'adversaire qui est debout. Ouais, c'est pour ça. Ça peut être très intéressant de wallbreak avec des super. Si vous avez 50, cassez le mur avec la super. Super mal. Voilà. Ok, le bandage. Ça pif la super dans le frame trap. Re-acquérissement. Ça va le futur hein, sur ce set. Trop bas haut. Bah, le saut. Bien trouvé ça. J'ai raté. C'est wifé et ça va permettre. Ah, Drake Hughes a récupéré une nouvelle vache de match. Voilà. Mm-hmm. Allez, est-ce que ça va être le dernier match du FT? Voilà. Oh! Bash dans le Trovao, bien joué ça. Ok. Bien trouvé la salle loading. Le Rensen S, hein, le nouveau coup d'Axel, l'explosion de la chaîne. Ça c'est vraiment bien pour le zoning, la shop qui a été trouvée. Mm. Ok, 5K2D. Et là, c'est dur pour Kaling.
Ouais. Déjà énormément de vie. Par contre, cette fois-ci, il trouve un bon counter. Nice, okay. Et bah non. Et... ouais, mais ça, c'est... je pense que ça vient du fait qu'il a fait 2P. Et... 2P dans ta pression, c'est... ça n'existe juste pas normalement. Malheureusement. Mais GG à Drekius qui, après un début difficile, c'est quand même vraiment bien rattrapé. Hein. Et. C'est et ça. Il a fait des trucs assez violents. Hein. Très bien joué à un ou deux joueurs. Bonne domination de. De calling au début, Drekius qui a beat by 4 avant de reprendre un match et finalement bah, ça va être le dernier match que Drekius réussit quand même à emporter. Bien joué à nos deux joueurs et donc ouais, maintenant gros. Oui. Grosse adaptation là, pardon Drekius. Il m'aura fait mentir, j'ai rien dit, voilà. Tac. Alors, je sais pas quoi taper pour Drekius. Qu'est-ce qu'on peut taper comme keyword pour Drekius en hommage à Drekius pour sa victoire? Moi je dirais Hero. Moi je dirais One Vision. Non, non, Hero. Hero c'est très bien. Ah, Hero c'est vrai. C'est son main à Smash. Alors point d'exclamation Hero, oui. H-E-R-O, sans le S. Hein. C'est le héros de Dragon Quest. Point d'exclamation Hero. Voilà. Pour tenter d'avoir une clé Steam aléatoire à gagner, proposée par notre sponsor Dojonor ici présent. Donc c'était un. 0-5, non là, c'était Norinissan, Drekius c'était 5-3. Pendant que je prépare le don de points, hop, c'est qui c'est Drekius qui a gagné. J'aimerais avoir les pronostics pour le prochain match qui est Popotinos ouais, Vampen. Bon. Ça va être un match de live, je sens. Ah, ça va être lourd là. Popotino, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui joue le risk reward de manière assez particulière. C'est quelqu'un qui va mettre beaucoup de... C'est quelqu'un, en fait, tu sais jamais quand il va taper. Il va mettre beaucoup de dragons, il va mettre beaucoup de trucs assez wild comme ça. Mais en même temps, des fois, non. Du coup, il met vraiment une grosse pression mentale, en fait, quand tu joues. Et c'est quelqu'un qui est très, très fun à regarder. À partir du moment où tu te dis que Popotino ne va pas faire quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il le fait. Voilà. Exactement. Et donc, face à lui, donc, Zampen... Ouais, Zampen qui est... Ben, Sonic Sword, c'est la meilleure Jaco japonais, enfin qui est au Japon, puisqu'il a vécu au Japon. Ah, franchement, sans exagérer, j'ai envie de dire que c'est la meilleure Jaco du monde. C'est peut-être subjectif. Ça se défend. Et il est passé donc sur RAM, donc sur Strive, et il a un jeu qui est très très solide. Il a d'excellents entières. C'est vraiment un mec sur lequel tu ne sautes pas dessus gratuitement. Par contre, ouais, c'est un peu une opposition de style dans le sens où ouais, le style de Zampen reste quand même relativement carré. Bon, il a quand même quelques folies parce que c'est un genre de Guilty Gear. Mais Popotino, par contre, et honnêtement, moi, j'avais déjà vu s'affronter à la première bêta et c'était un très beau match. Ouais, surtout que Popotino, hein, fou ou pas, je crois qu'il a quand même un petit peu de mal hein, face à Ramleta là, dans ce jeu. C'est ça qui me rend très curieux pour ce FT. On a l'autorisation de Zampen pour diffuser ce match, hein, je vous rassure. Il a été contacté, il a donné son accord pour que nous puissions apprécier ce match. Donc, ouais, encore... les pronostics sont là. Oui. D'ailleurs, je me demande, parce que c'est vrai que Zampen avait streamé pas mal, peut-être que plus fait une vidéo de ça. Moi je sais que je les avais souvent vu s'affronter Popotino et Zampen. Ouais, pendant la bêta, ouais, pas mal. Ouais. Et donc c'est qui commande My Masker puisqu'on. Okay. Ouais, je crois que c'était comme ça que c'était ouais, prévu. En plus, c'est nos persos. Donc, voilà, c'est nos persos. Très bien. Ouais, et franchement, moi pour commenter du Popotino, je suis là tous les jours, y a pas de problème. Commenter du Popotino, c'est toujours un plaisir. Mais moi en fait, j'ai mon cœur qui est un peu déchiré parce que j'adore voir Zampen jouer, j'adore vraiment le joueur, mais Popotino c'est. C'est Popotino, quoi. Je pense que tout le monde adore voir Popotino jouer aussi, hein, donc t'inquiète pas. Hein. Donc, Zampen, clairement, qui reste pas, qui est pas en reste et qui sera là pour la hype aussi. Ouais. D'ailleurs, on peut voir quand même level 220. Je crois que Deb avait réussi à aller jusqu'au niveau 1000 hein, sur la bêta avec Sol. Deb, elle a beaucoup joué, ouais. Hein. Deb. Deb a énormément joué. On embrasse. Hein. Il était en train de streamer constamment sur la bêta. Ouais. Deb, elle avait même oublié ce que c'était dormir durant la bêta. Hein. Genre, je crois qu'à un moment, elle était à 19h de stream d'affilée. J'étais en mode,
Ah ouais, non, non, Deb, elle était motivée. Oh ouais. Le concept de sommeil ne s'applique pas si t'es, si t'es une VTubeuse et que personne ne voit tes cernes, finalement. C'est mais ça. Le pire, c'est que vraiment, les deux VTubeuses que je connais qui jouent à des jeux de combat, c'est deux gros insomniaques qui arrêtent pas de doser. Ouais. C'est exceptionnel. Après, Deb, c'était une joueuse de Guilty avant de devenir VTubeuse. Mais... Ouais. Et le fait mais, d'être VTubeuse ne l'empêche pas d'être joueuse de Guilty. Tout à fait. En fait mais je veux dire, elle était pas VTubeuse avant de jouer à Guilty. C'est elle ça. C'était elle qui avait gagné les votes de 2019 quand c'était un anime vote, mais c'était quand même... Tout à fait. Ouais. Et puis même, c'était genre meilleur sol du nord des États-Unis. Ouais, c'est ça. Facile, hein, vraiment. Deb était très, 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 très solide sur plein de trucs. C'est des autres solos du Massanc, très clairement. C'est clair. Allez, donc, ouais. Mais d'abord, avant de lancer le match. Ouais, c'est vrai. C'est qui dit le stop Stop. Et c'est VSF Mamad qui me choisit un chiffre entre 1 et 6 pour les prochaines clés à gagner. Incroyable. Alors, Mamad me donne le chiffre et on lance le match. S'il est là, bien sûr. J'aimerais juste revenir vite fait sur Popotino et Svampen. Mmh. C'est que moi, je pense Svampen, c'est vraiment quelqu'un de solide. Mais par contre, j'ai remarqué souvent sur Grand Blue, tu fais un petit peu le fifou. Il y a moins de l'utilité, tu vois. Comme alors, Popotino, c'est quand même un mec qui joue parfois très sale. Je me demande si ça va se voir dans le jeu de Svampen. Non, c'est vrai. Hein. Svampen est très fort, mais c'est quelqu'un qu'on peut réussir à énerver hein, sur un match. Hein. C'est ça, exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, normalement, de base, je pense qu'il gagne, tu vois. Svampen, de base. Mais si Popotino arrive à unlock... l'état énervé de Svampen, il peut s'amuser. Quoi. Donc, Mamad qui a gagné Train Station Renovation. Ok, donc tu vas pouvoir réparer des trains. Voilà. Aucune idée de ce qu'est ce jeu, mais il l'a gagné. On va espérer pour toi qu'ils soient pas tout le temps en grève. Hein, Ah bah c'est lui, il fait ce qu'il veut dans le jeu. Hein, et s'il a envie de jouer et de se mettre en grève dans le jeu, hein, on y va. Bah voilà. Mais en vrai, je sais que Svampen connaît bien Popotino, et quand tu connais bien, t'as peut-être moins tendance à tilter. Ouais. Ce genre de joueur. Je pense que Popotino, il y a un knowledge check de joueur, clairement. Mais c'est ça, c'est... Popotino, il est quand même connu par les joueurs européens, il est connu sur son PSA, il est donc... Voilà, ouais, donc là, le bon Fares, les foot 6, vous allez beaucoup le voir, mais ouais, ça, c'est une des grosses armes qu'a Sol contre le Fares, c'est le Grand Viper qui... Bah, faut le faire whiffer, hein, parce qu'en bloc, c'est plus finissable. Ouais, et par contre, Grand Viper, Nitrate Vortex, tu respectes le lore, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. Ou tu peux dire, le coup Grand énervé. Viper, c'est complètement finissable en bloc, mais c'est pas un gros punish, quoi. Mais... Ouais, enfin... Ou la violence, quand même, déjà. Mais tu peux l'appeler le coup NRV, hein. Nitrate Vortex, NRV, c'est le coup NRV. Tout à fait. Sitzage en round tard de Popotino, déjà, ça... Faut savoir que le Sitzage de Sol est très bon, mais très joli combo. Mais légèrement, en fait, risqué, parce que c'est genre moins 22 et le Orcbox reste sur l'arme tout du long. Donc ça, t'étais certain de te faire punir. Là, il est dans la merde. Pour le Arcade. Ouais, voilà, ça a pété pour avoir le Arcade, et puis surtout avec le bonus du gain de tension, il a de nouveau 50% là, il a pratiquement tout là. La balance, le Heavy Mob Cemetery. Ah, il a réussi à punir avec le Fares, très joli. Ouais, ça c'est faut savoir que pour ceux qui auraient pas trop joué à la seconde bêta ouverte, en fait, le Heavy Mob Cemetery de Sol, c'est devenu une shop spé. Du coup, ça fait qu'avec les landings, trucs, etc., c'est un peu plus facile de la mettre maintenant. Mais par contre, c'est complètement impossible de la mettre en combo, ce qui était faisable avec un RC avant, il me semble. Même si ça ne servait pas à grand chose, peut-être qu'il est. En vrai, cette super-là, le Heavy Mob Cemetery est utile dans certains moments, mais bon. Ouais. Dans ce détail, il n'était pas non plus. Pratique que ça, si le mec savait que c'était une chose.
Mais enfin, là, on parle Popoutino. Popoutino déroule un round assez efficace. Ouais, mais mine de rien, en fait, le truc, c'est que comme c'est une shop fait, du coup, tu peux plus la punir en bloc, forcément. Et du coup, bah, c'était très. Ça va toucher. Non, ça va pas toucher. Et là, ça va tuer. Hein. Ça va tuer, ouais. En plus, je suis quasiment sûr. Popoutino qui est mort avec son beurre. Ouah, ça a RIB des Doro round start comme ça, Popoutino beaucoup trop technique. Ouah, le 5H counter, il va troncher. Ça va faire le double combo épée, ça passe 50 mètres, donc ça va devoir faire le wall break. Ou 6H comme ça, direct. Le reversal de Ram fait énormément de dégâts. Ouais, c'est un scandale hein, ce reversal, les dégâts de ce reversal. c'est probablement le reversal qui fait le plus de dégâts du jeu. Oh, alors, on force un peu. Facile. Ouh, sur 5H counter, Popoutino qui garde sa barre, elle a décidé de pas RC ici. Par contre, le reversal de la part de Vanten, Popoutino qui a perdu plein de vie, sa taille en trave, ça a pas été puni. Petit bandit Bringer. Il a tenté de chop dans le dust chargé, mais ça c'était trop loin et ça se fait punir. Je crois que Popoutino c'était le pionnier des combos optimisés sur le dust de sol et ça m'étonne pas trop de sa part. Ah, vortex direct. Non, ça, dans son neutral et dans ses mouvements, il peut sembler extrêmement étrange, mais ses combos sont à chaque fois optimisés vraiment de façon. Excellente en fait, simplement. Ouais, il fait tout le temps les combos stylés. Et des bonnes headshots. Et qui va tuer. Ok, on continue. Petit Bringer comme ça en ouverture. Nightrade Vortex encore. Ah ouais, Nightrade Vortex. Mais mine de rien, le combo que Popoutino fait après le GV énervé là. Ça a énormément de corner carry, on dirait le sol de X-Turn en fait, limite, à ce niveau-là. Ok, petit brisage de mur, ça va donner plein de metteurs à Popoutino, 6H ouais. Direct encore. Ah ouais, le reversal très très loin, là, ça va donner une grosse occasion à ce Vampen de revenir. Voilà, ça c'est bien bait, mais ça paraît, c'est pas la pollution et... les bons vues, évidemment... Grande Viper DP. Et d'ailleurs, Popoutino qui a commencé ce round en 2D, hein, évidemment, une grosse classique de sol, j'aimerais dire. Joli suspect de la part de Vanten, par contre, qui maintient Popoutino dans ce coin. 6H, plein de blockstone. Popoutino avec le reversal dash up. Enfin, le reversal à barré dash up. Grand malade, mais ça marche. Ah non, okay, bah, il était dans sa tête. Voilà, regarde, Vortex DP encore. Ah, ça par contre, c'est la mort. Ouais, ça va jugger avec les épées et ça va mourir. Et qu'est-ce que ça va être le gambit de round start de Popoutino? C'était 2D. Cette phase IAD, enfin R-dash. On est full chargé, mais c'est. Bien trouvé. Kick. Ok, là ça va toucher, ça va prendre counter, ça va mettre dans le coin. Ça claque le RC pour pouvoir faire plus de coups dans le coin, ça va faire mal. Il va pas avoir le metteur pour pouvoir faire la CR. Entière au 5P. Et 6H. Ouais. On a vu un petit clash d'ailleurs entre le jump et le 5P. Le jump et de sol hein, qui reste un très... Ah. Petit problème. Du côté de Popoutino. Le replay est comme ça. Hein, Oui, je l'ai reçu comme sûr, ça, ouais. Je l'ai pas vérifié. Mais le jump et de sol, évidemment, qui reste un très bon coup dans les airs, okay. ça réduit pas mal la hardbox du perso. Tac. Ok, on est reparti. Popoutino a ressuscité sa manette, visiblement. Tac. Petite tentative de vortex, ça va être puni. Okay, il ne fait rien derrière. Ok, ça burst très rapidement pour garder Popoutino dans le coin, mais ça mange le GV. Là, ce corner carry, ouais, très Fares, évidemment. Ah, par contre, là, ouais. Ok, ça saute. JH, la super dans la dalle qui a bien été trouvée. Ah, bien ça. Ah, 2S par contre.
et la bonne chop en punition. Ok, Loki a l'effet bien sauté. Et donc. Ah ouais. Joli side switch. Ouais, c'est assez fort de side switch contre Ram. Il y a assez peu de JH. Parce que le JH de Ram Lethal est assez dégénéré, même dans cet état où il a été nerfé. Zampen l'utilise assez peu. Je pense que peut-être il a peur de se faire DP. Sans. Puisque le DP ne cache plus sur le JH. Ah. Allez, là, ça va se continuer qu'à tenter de voir le futur là. Ah, un peu late pour pouvoir finir avec le Force Slash. Ouais. Et du coup, c'est Zvampen qui s'était fait punir. Popotino qui met la FD pour pas se faire cheap. Burst de la part de Zvampen, mais le Vortex. Ça se fait punir. On est Popotino, à 3. Hein. Voilà, bah direct. Popotino qui montre bien l'efficacité juste de Vortex en fait dans ce MU qui passe à travers, en dessous d'à peu près tout. C'est ça, hein, c'est Ram Lethal. Ram Lethal, un très bon contrôle du neutral, mais GV bat beaucoup de ses options et donc elle est obligée d'être beaucoup plus respectueuse en neutral. Ok, bah voilà, Vortex. Super. Oui. T'avais pas encore récupéré l'épée, ça c'est une erreur, hein. Faut vraiment faire attention. Par ça, c'est un cache quand t'as pas les épées, t'es pas sans appuyer sur ce bouton. Je pense que Popotino aurait pu tuer avec un autre combo étant donné qu'il avait 100 d'armes. Ah bon, bah c'est pas grave. Il a fait 10 pieds, c'est passé. Grenier banger. Je sais pas si c'est un vrai punish parce qu'il y a pas le truc de punish. Ça le fait sur shop ? Je crois, oui. Ah, ok. Ok, si ça, ça envoie l'épée, friend trap. Popotino qui est mort très très vite sur ce round. Ah bah ça, c'est classical ram round, hein, ça. On va dire que quand elle a raison et qu'elle arrive à cette top son pressing dans le coin, ça fait tellement peur le perso. Ouais. Ah, il s'est bien attendu au Vortex ici, mais il s'est pas attendu au DP derrière, il a raté la punition. Jolie petite chop de la part de Zvampen. Ça fait. Mais pas au sol avec le 2-2. Ouais. Popotino qui est assez actif sur sa défense, mine de rien dans le coin. Ça a pas tout à fait fonctionné à chaque fois, mais. Ah on va dire que c'est pas la garde qui te sauve. qui te sauve contre Ram, donc. C'est vrai. 2 à 3. Ouais. C'est toujours le pic chien de Ram Lethal. Ouais, non, mais Ram, elle a des combos oversize intégrés dans le perso. Ram, c'est un perso, il y a beaucoup de choses qui sont intégrées. Tu te fais Pharès, t'es un neutral, sauf contre Ram. Donc... non, je rigole. Le perso est cool, mais. Oh, les bons dégâts. Il y a des trucs. Ouais, Ram tu te plantes un peu comme ça, tu peux prendre 50% dès le round start. Exact. J'en ai fait pas mal les frais contre le Nago de Shiriku aussi. Prendre 5k into 50% en retard. Ah ouais, ce burst. Un burst bien dommage de la part de Popotino. Mais ouais, c'est. Je vois en peine qu'il commence à reprendre un petit peu le. Ouais, le rythme ici. Bien adapté, voilà, un bon JH par contre, ouais. Très très haut. Wow, ouais, bonne réaction là avec ce shop. Ouais. Parce que pour savoir, le 5K et le Closest de Sol sont dash cancellables. Mais par contre, il y a quand même un peu de recovery dessus, donc t'es obligé de courir une certaine distance. Et Zvampen a très bien réagi, simplement, il a chopé Pinotino avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. 2 Soki. 3-3. C'est pas qu'elle est forte, Ram. C'est cool. Bon, écoute. 3-3 en tout cas. Ouais. Star Slash, le beurre. Gigan Flame. Ouf. Oh, c'est... ouais, ce burst aurait pu être puni très très fort, mais. Ah. Et là, c'est. Ouais. Le GG énervé qui, encore une fois. City, elle a toujours Calvados, mais. Ben, la super est pas. C'est pas la meilleure utilisation de netter que tu peux faire avec. Elle est pas invincible, hein, Calvados, je crois. Elle est pas invincible. Ouais, la seule utilité, c'est si jamais t'as balancé tes deux épées et que t'en as vraiment besoin, mais maintenant elle est. Sable en bloc de super loin, donc
Après, tu peux toujours faire une Oni Mario, genre Calvados RC, et puis c'est parti. Ouais, ah, mais ça existe. Ça va coûter cher dans ce jeu, par contre. Double dragon. Dans X-Tort, ça coûtait 75%, ici ça coûte. Ici ça coûte 100%, hein. Mais c'est toujours possible. Ouais. C'est toujours possible. Si jamais t'as envie de prendre le contrôle du mec. Ah, joli talent, ici, ça va faire mal. C'est ça. Et là, gros avantage à vie pour Popotino. Ouais, par contre, ce grand Viper qui va être unique avec tout ce corner carry là. Joli bloc sur l'overhead. C'était quoi ce combo des enfers qu'il nous a fait, genre? Je connaissais pas du tout cette route, mais c'était incroyable. Par contre, Bringer Vortex. Ouais, 3 à 4. C'est en fait ça, je pense que si Vampen était un petit peu plus régu sur les punitions de certains trucs, il aurait un petit peu moins de mal, mais en même temps, bon, ça reste Popotino, donc faut tout le temps penser à 1000 trucs en même temps, c'est ce que les Américains ils appellent bon, le mental stack, évidemment. Je connais bien, j'exploite ça dans d'autres jeux. Wow, what? Alors c'était bien tenté de Zampen, mais ça n'a pas marché, mais c'était bien tenté. Faut savoir que Heavy Mob Cemetery, c'est armure slash guard point infini jusqu'à la fin des active frames, vraiment. Tu peux pas le contester comme ça, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, dommage. Et ça. L'épée qui va faire exploser, qui va tuer... Ouh, très joli ça, cette idée. Vortex, let's go. C'est dans le coin. Ah, joli en petit lot ici de la part de Popotino, le Gunflame qui va casser le mur, ça va donner plein de metteurs, 6 stages quand même direct en gambit d'ouverture. Ça n'a pas été puni par Vampen. Vampen qui se fait air chop. Bon match de 2P. Vampen qui conteste bien, ça va renvoyer Popotino dans le coin. Recombo. Ah, c'est dommage, il a droit. Quelle tragédie, il a raté le combo. Le 6H, il l'a raté, c'est dommage. Ouais, et ça va être peut-être le dernier point à prendre pour Popotino. Là, on est actuellement. Il a 4 points. Joli DP à travers ce 6H. Joli backdash pour éviter le Vortex. Tellement dur à bien timer le backdash parce qu'il y a trop de frames d'invulnérabilité. Mais là, ça a bien été trouvé de la part de Zampen. Le bon dash shop qui a été trouvé. Ok, bon 6P. Malheureusement, le combo n'est pas full. Et pas complet derrière. Aïe, ça tentait pas l'entier. C'est très dangereux de vouloir entier seul hein, dans le jeu. Et ça, ça va faire mal. Ça va faire mal. Est-ce que c'est la fin? Non, il n'est pas mort, mais il a quasiment rien là. Popotino, il a besoin de sage direct. Ça a pas été puni. Oh, le grand Viper. La punition du vent, ça va tuer. Ça va tuer, sinon. Oh non, mais ça va pas mettre la super. Il avait. Oh non. Il a pas fait la super. C'est quelle tragédie pour Zampen. Ouais, et c'est dommage. Et ça termine là-dessus. Bon. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ouais. 5 à 3. Du coup. 5 à 3 pour Popotino. Zampen qui aura pas réussi à remonter la Popotinade. Mais il avait quand même failli réussir. Hein. Il aurait clairement pu le faire. C'est clair, du coup, bah. Du coup, un hein, Popotino de Sandbox hein, sur Twitch, hein, n'hésitez pas, il faut. Svampen, c'est Svampenbury, si je dis pas de bêtises, pour les deux streams. Hein. Ouais, et clairement les. Allô, clairement. Oui. Non, j'ai bugué. Non, clairement, c'est ces deux-là. Je crois que c'est Svampenbury, je vais checker. Ouais. Et du coup, clairement, je pense qu'on verra pas mal Popotino sur Strive, qui sera là pour nous vendre du rêve comme aujourd'hui. En tout cas, c'était un match qui était bien hype. Ouais, c'est Svampenbury. Si vous voulez, je peux le balancer dans le chat. Du coup, ouais, vas-y, mets les liens. En attendant, c'est point d'exclamation Popotinade pour la prochaine clé à gagner proposée par le sponsor de Jonor de cette émission. En attendant que je donne les points à la chaîne, hop là. Popopo. Voilà, j'ai envoyé les deux Twitch si vous voulez les suivre. Clairement deux joueurs qui je pense faudra suivre au début. Oui, les deux joueurs, hein, Svampen et Popotino. Ils semblent avoir énormément. Ouais. Et Popotino, c'est Popotino The Sandbox, je crois. Ouais, non, j'ai envoyé. T'as envoyé, ok, parfait.
Faudra ouais, peut-être les renvoyer après que tout le monde ait tapé les. Ouais, je renverrai. Ok, parfait. Mais en tout cas, ouais, Svampen, Popotino, c'est des valeurs sûres en termes de qualité de gameplay, donc n'hésitez pas à aller regarder leur Twitch. Je sais pas trop à quoi Svampen joue, mais Popotino, il fait pas mal de Blaze Blue, il fait pas mal. Svampen, de... c'est beaucoup de Grand Blue en ce moment. Popotino, enfin, Svampen, c'est Grand Blue, de temps en temps, il ressort Xur, parce que. Il y a rejoué récemment Xferd. Sinon, c'est aussi beaucoup de. Enfin, il streamait beaucoup quand il y avait Strive. Je crois qu'il y a des gens qui font des travaux à côté, j'espère que ça s'entend pas. Non, pour l'instant, on n'a rien entendu. Il y a un gros rush chez moi, je sais pas si c'est entendu, hein. Je m'excuse si vous entendez ça. Les gens ont l'air d'avoir principalement des finior spam. Mais là, en tout cas, Sonic-san. Ouais. Incroyable. J'ai attendu FT depuis le début de l'émission. Sonic-san, Kumoko, Gatekeeper 5. J'aimerais ton avis sur ça. Alors, il y a un petit avantage pour Zoé parce qu'il a joué à Guilty Plus avant que Kumoko, je pense. Mais Kumoko, c'est un. Il avait une jam, Kumoko. Père en fils depuis le 1. C'est un joueur de Beelzebub dans Grand Blue et clairement son taux de réussite de pif est assez élevé. Ouais. Maintenant, je pensais que honnêtement qu'il jouerait seul, tu vois, que c'est un peu un perso designé pour les Guakers comme lui. Mais il joue Zato dans ce alors, jeu. Alors, il jouait Jam sur Xur. Il aime beaucoup le design du perso, donc à voir. Kumoko, ouais, il a joué à pas mal de jeux. Pareil, je l'ai connu sur Grand Blue, mais il a joué pas mal à Melee. Je crois qu'il stream encore pas mal de Melee d'ailleurs. Il a joué à pas mal de trucs. Svai aussi, l'un des top FR et un des top EU sur Grand Blue à l'heure actuelle. D'ailleurs, il y a une exhibition pour le Stunfest. D'ailleurs, Sonic-san, si tu veux nous en parler peut-être. Incroyable. Ouais, une petite exhibition vendredi, qui aura je lieu crois. Vendredi soir à 23h30 sur Grand Blue versus qui sera une exhibition en team battle. Et du coup, ça nous permettra de voir les meilleurs joueurs. De France joue au jeu qui joue à différents persos, donc ça va être assez stylé. Une exhibition par le Stunfest, du coup, pour le Stunfest. C'est ça, exactement. Tout à fait. Ça va être sur la chaîne Stunfest-Online et surveillez de toute façon le Stunfest sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ça va balancer à fond. Vu que le Stunfest Online commence ce week-end, ça a commencé à fond. Pas mal de trucs. Ça commence vendredi, voilà. C'est ça hein. Tout à fait. Du coup, Kumoko, Gatekeeper, Svai. Et du coup, toi, tes pronos, Kumoko, Gatekeeper, Svai, c'est plutôt Svai ? C'est plutôt Svai pour moi, je pense, ouais. D'accord, Masker ? J'avais vu... J'ai joué Kumoko, en fait, sur la première bêta ouverte. Il se débrouillait plutôt bien, mine de rien, avec le perso. Svai, je l'ai vu surtout l'AB, parce que c'est un gros mec du lab. Il poste beaucoup de trucs sur son Twitter. D'ailleurs, on pourrait le balancer quelque part. Si jamais ça vous plaît. Ouais, je vais chercher ça, t'inquiète. Mais sincèrement, de qui a le dessus, je saurais pas dire. Personnellement, je trouve que Nago Ryuki était un peu moins fort qu'à la bêta d'avant. Peut-être que ça peut jouer parce que, mine de rien, la jauge de sang a changé un petit peu de propriété. C'est un petit peu plus dangereux. On va voir si ça va jouer, tout simplement. Mais en tout cas, ouais, je saurais pas dire qui a le dessus, personnellement. Ok. Escagas a-t-il un avis ? Moi, j'aurais plutôt tendance à parier sur Zwei, dans le sens où Kumoko est vraiment sur un perso, même s'il s'y est adapté assez vite, il est vraiment sur un style de perso qui lui correspond moins, en fait. Alors que Zwei, Les lourds, c'est un peu son habitude. Hein. Ouais, les gros persos, il est dans son élément. Hein, voilà, clairement. C'est ça. Pour moi, il a moins d'adaptation à faire. Il peut lancer des dés sur son perso, c'est bon. C'est un perso qui peut jouer. C'est vrai que moi aussi, là, vu comme ça, Zwei, moi aussi, là, comme ça, je mettrais plutôt sur Zwei. On verra, du coup, en 5, ce que ça donne. Je vais voter pour Kumoko par solidarité. Enfin, sur le pronostic, en tout cas. Let's go. Ok, alors en attendant, voilà. C'est à Kiki de faire le stop. À toi ? Je sais pas. Non, moi je le fais plus le stop, on dit que c'est truqué sinon. Interdit. Vas-y, monsieur, fais-le. Vas-y. Stop. Ah bah, il s'est truqué.
Okay, okay. Ah, c'est Pamba encore. À chaque fois que c'est Pamba Berry qui gagne, c'est truqué, c'est officiel. Du coup, Pamba Berry reste 1, 2, 3, 5 et 6 à gagner. Donc, le chiffre de Pamba Berry, le 6. 1, 2, 3, 5, 6. Il gagne un jeu qui s'appelle Fairy Unleashed. Oh, ça, c'est un jeu pour toi ou... Non, il n'y a qu'un seul R. Ça s'écrit comment en fait ? Il n'y a qu'un seul R, c'est pas pour moi. Calmez-vous. D'accord. Allez, Pamba Berry, okay. Hop. Et maintenant, on peut. Qui commande ce match ? C'est moi, Sonic-san. Sonic-san. Yes. Conducteur de camion de père en fils, mais ne dormez pas sur Kumuko. C'est ça. Allez, on y va. Ce Zato bio sans monté. Conservateur. Pareil, c'est un replay online, donc cette fois on a le son sans problème. Ce n'est plus, je crois que j'ai plus de replay d'archives Twitch. Il reste un replay offline, cela dit. Allez, ça part très fort. Alors allons-y, invite hell. Ouh. C'est bon, déjà, le Zweig est déjà d'entrée, là, c'est très mauvaise voie pour Kumoko ici. C'est bon, le 2P1. 2P, ça va être un coup clé pour les Zato, parce que même si c'est bas punch, c'est pas des boutons très foufou, les bas punch. Celui de Kumoko, il va très très loin, et ça permet de placer un Eddy. Attention, dommage, là, par contre, hein, le cassage de mur, qui a été complètement raté par Kumoko, qui a permis à Zweig de revenir. Attention, la jauge de sang ici, qui monte aussi. Ah, super, c'est bon. Alors, là... Ouais... Hey. Attention. Là par contre il est obligé de passer en fou. Ouais. Là il perd toute sa vie ici. Aïe, attention. Et c'est le 2P. Ah on l'avait dit, hein, le 2P c'est chaud. Hein. Le 2P hein, c'est vraiment le truc à claquer ici du côté de deux atos pour permettre aussi les summon d'Eddy derrière. Hop, back kick, bad dust, bad dust. Bon, ça prend counter évidemment. Hop, punch up space, c'est dommage. Hein. Bien été évité ici par le Kumoko. Hop, la grenouille, le leap. C'est bon, invite to hell. Ouh, whiff, ça whiff finish le 2S, hein, attention. Hein. Ouais. On est énervé hein, du côté de Sai ici. Oh, dommage, j'aurais pu entier dans l'entier. Entier. Ah, entier cross-up. Okay. Ouh, bash. Le leap. Le boom bash, ok. Ouh, ça on fait. Blue RC dans l'overhead. C'était bien joué ça. Ah, le Blue RC, on l'a vu. Ah, il a pas, il y a pas mal dans le jeu. Ok. Blue RC, c'est... ça a l'air pas mal. Hein. Très bien joué. Hop. Hop, joli backdash ici. Il y a ici, backdash hein. Dans le Beyblade au sol. Ouais, il y a totalement backdash. Okay, hop. Bon, bah... Bash, leap. Attention, hein, il est un petit peu éloigné Eddy. Hein. Faut garder l'offense avec Eddy ici. Bon, Eddy qui est mort. Hein. Il a été tué, c'est pas grave. Le voilà de retour. Derrière cette shop, bah, punch Mitty qui a pas été puni malheureusement. Hein. C'est un peu dur de réagir face à ça. Hein. En bif, c'est compréhensible. Hop, bash. Invite Hell, le 2H wifé, ce qui va permettre à Zweig de revenir, hop, la shot spé, qui va baisser toute la jauge de sang ici. Attention, poussage dans le coin. Hop, Mawalu. Ah, ça a bien ouais, vu le saut. Bon, attention, le burst hein, de Zweig. C'est bon. Bonne nouvelle ici, pour Zweig. La barre. Hey, ah, la jauge de sang. Tout le retard qu'il a fait. Ah, bien joué. Pourquoi j'ai passé derrière ? Oh, c'est insane. Ouais, très bien joué ici. Le montant de saut qu'il avait. Mawalu, grenouille. Attention, encore le Blue RC. Oh, hein. Le Blue RC, oh, c'est... Oh, de l'entière, ça me chaud. Y'a pas de burst, ça va mourir avec le burst. Attention. Mawalu, Eddy qui est mort. C'est l'occasion, Zweig. Oh, ah, c'est vrai que... Super. Ça ressuscite Eddy, ça, c'est vrai. Le Void qui dit non. Tu ne peux pas m'approcher de moi. C'est vrai que ça ressuscite Eddy, c'est super. Bien joué ici. Ah, même pas. C'est pas mal quand même. Ouais. Okay. Bien pensé. Ça ressuscite Eddy et ça l'invoque là où tu lâches l'épée en fait. Ah oui, ça va, exact. Ouais, tout à fait. J'ai vu. C'est ça. Ouais, là où tu lâches l'ombre. Ouais. Okay. Attention, oui. Aïe, 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 c'est toujours dur la variation, c'est le projectile ou celui qui va en avant, je sais jamais. Petit shot spé, hop. Hop, c'est bon, le sang qui redescend.
Le sang qui remonte. Aussi. Ah, alors attention, ouais, là il va y avoir ça, et là, si Kumoko il met une chop spé, il a gagné. Oh, oui, c'est bon, il a bloqué. Non. En fait, il a fait ça juste pour sortir du mode, tu sais, qu'il baisse toute sa vie, là, le mode Blood Rage, c'est tout. Faut vraiment faire ça avec les Nagoryuki, t'es obligé, sinon t'es mort. Bonne utilisation en tout cas. Ouais, le flight ici. Ah, bien joué ici, hein, ça a bien sauté dans le décalage. Dans le mode, sérieux. Le mode qui va ressortir. Ah non! Oh la chope! Bien vu! Ouais, ils ont augmenté son passage en. Enfin, il gagne plus de sang maintenant, c'est vraiment l'enfer à jouer. Ah, c'est dur. C'est dur. Attention. Apparemment, ça gagnait trop sur la première bêta. Oh, il a pris quand même Zato sur, cette, sur ce 4-hit. Ah, ça fait mal, Nago. Ok, allô, ça. Il a un petit peu raté l'opti, c'est pas grave. Oh, un petit RC pour avancer et un autre RC pour dire non, je m'en fous de ton truc. Bien tenté ici. R2R, attention. On fait la chop, peut-être pas coup d'un mois, ton con. Et ça prend le match. Ouais, on peut pas burst les chops. Hein. C'est pour ça qu'ici, Akumoko, il était obligé de subir la phase à la relever. Mais oui, hein, c'était pas une mauvaise idée ce que Zweig il a fait. Hein. Dès qu'il passe en Blood Rage full screen, autant claquer la super au lieu de suicider la barre de vie qui vous reste. Hein. Faut vraiment faire en ça. En tout hein. cas, on a un petit un partout, justice nulle part. Hop. Cela dit, Zweig qui a déjà mis son adversaire dans le coin. Et Kumoko qui a fait une burst. La vie. Ah, est-ce qu'il peut finir ça? Regardez la vie de Zweig. Aïe aïe aïe, la vie de Zweig. Ah là, il a c'est tout dur. Perdu. L'entière Sancho, est-ce qu'il va capitaliser? Ok, 2 hits, ça va. Il me semble qu'ils avaient compté ça justement sur le serveur Grand Blue et que ça fait quasiment, tu perds quasiment 50% de la vie en genre 4 secondes. Et le pire, c'est que dans ce match-up là, si Zato met la Shop Spé sur Zweig en Blood Rage, c'est one shot. Tellement la Shop Spé dure longtemps en fait. Ouais, t'as fait. C'est un truc, je me souviens que Goichi avait dit ça d'ailleurs avec la Shop Spé de Faust. Parce qu'on n'avait pas vu la mécanique de Blood Rage, Goichi avait bien géré ça, mais... C'est ça. Oh, bien joué ici pour sortir de la pression, Yellow RC. Toujours pas de summon derrière ce bas punch. Clac, la super, Zweig. Merci. Parce que là sinon... Il l'a fait. Il était obligé, sinon il était mort. Hein. La vie est descend. À une de en ses vrai, vitesses. Y a pas trop de risque de le faire à distance où il est. Ah non, il faut vraiment la balancer. Hein, Dans le pire, tu touches en plus. C'est ça. Que du reward, mais il me semble que c'est punissable hein, si t'es trop près, non? Oui, bien sûr. Ouais, je pense aussi. Mais de toute façon, quand t'as un truc qui touche full screen, c'est en général punissable au corps à corps quand ça touche full screen. Hein. Hop. C'est bien joué ça, le air-to-air. Allez, le press dans le coin. En plus, il n'y a toujours pas le sang qui est monté. Il est bien là, Zweig. Il est très bien. Ah non, dommage, ça. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Kumoko qui fait le choix de carry son burst. Non. Voilà. Ouais. Burst normal. Ça tue là ? Oui, ça tue. Non ! T'as raté, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien. Ok, bah punch, on connaît. Faut tuer un pixel, peut-être coup. Ah, le air-to-air en saut kick, c'est dommage qu'il ait pas vu la chope. Un petit peu trop loin ici pour le dust, hein. Bon, c'est pas grave. Aussi, bonne des shops, bas S, le double hit, that's a lot, leap. Ah, la chop spé, c'est dommage, la chop spé qui a été faite un petit peu trop de côté de Kumoko qui va prendre cooter sur ça, attention, la barre, regardez tous les dégâts qu'il prend. Aïe, aïe, bien backdash là, ouf. Nice. Très mauvaise nouvelle ici pour Zweig, en plus le sang qui monte, non c'est bon, le sang qui descend, le pif, est-ce qu'il va prendre ça? Oui, il a pris, 100%. Ouais, il a pris, counter. Hey. En plus, ça fait baisser la jauge de sang, c'est une bonne nouvelle pour Zweig. Obligé de balancer Eddie. Il a bloqué, 100%, ok. Oh là, il a grenouille. Hey. Il a bloqué, c'est bon, Eddie, il a plus de vie, c'est le moment. La chop spé. Et overhead, rien. Bon, c'est pas grave. Overhead, ça, mais le petit coup. C'est pas grave, parce que ça touche. Ok. Ouais, Eddie était pas sorti pour confirmer dans l'overhead, mais bon, je pense qu'il pensait que ça tuait. Attention, l'overhead là. Ouais, encore une fois, that's a lot, Mawalu. Overhead, Mawalu, ça reprend Mawalu. Boom. Bien sol. Rare dans ton coin. Oh, ok. Petit burst de la part de Kumoko, il y a lui. Ouais. L'entière, ça me choque. Double entière. Le counter. Petite conversion. Oh, yeah, ça fait mal. Ça tue, ça peut-être. Voilà. Non, ça tue pas, je pense. Mais il y avait du risque au début, hein. Ça a peut-être tué. Ouais, si. Oh,
Tu vois, il y avait du risque au début, donc ça tue. Les dégâts du wall break font quand même assez mal. Ouais, c'est pour ça. Ouais, puis juste de base, il est vraiment fragile, quoi. Les dégâts du wall break sont-ils réduits par le damage reduce? Je crois pas. Bonne question. Je crois pas. Je sais que le risque annule le damage reduce. Ce qui compense le fait que le bonus de dégâts est moins violent que dans X-Herd. Allez, 3-1. Est-ce que Kumoko va réussir à revenir? Invite to hell. On invoque Eddie, that's a lot. Leap. Chopspé. Oh, oui. C'est bon. Ça, la Chopspé qui redonne toute la vie d'Eddie, qui va permettre de refaser. Et ce qui fait saut sans invoquer Eddie. On remarque aussi Kumoko qui a fait 0 oppose. Hein. Oppose, c'est une attaque très très forte hein, de Zato dans cette version. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Aïe! Hey. En plus, la jauge d'Eddie, elle ressuscite pas pendant toute l'animation. Elle est frisée. Hop, voilà, Eddie qui va revenir. Zweig qui a pas d'autre choix de laisser Eddie revenir ici. Hein. Il peut pas approcher sans claquer son sang. Donc ça lui arrange aussi hein, de voir le sang baisser de toute façon. Allons-y. Hop, bas punch. Oppose. Ah, il a raté son dash avant de faire l'overhead, c'est dommage. Allez, ici Kumoko, il va falloir réussir à approcher. Hein. Il y a 50%. Une petite phase avec Eddie, voilà. Oppose. Peut-être oppose. Non, il va jamais faire oppose. Pourquoi il fait jamais oppose? Du coup, il va se faire choper. Hop. Et du coup, il va peut-être mourir là-dessus sur la prochaine ouverture. Dash, il a fait le back dash de trop. Oh, c'est horrible. Aïe, aïe, aïe. C'est horrible cette phase. Il dash et après, tu sais pas s'il va choper ou il juste taper. Et du coup, tu fais un choix et t'as fait le mauvais, souvent. Aïe, aïe. Très fort. Attention, hein, ouais. Oh, le goldburst dans la chauve. Oh, il a goldburst sur la chauve, quoi. Du coup, ça a donné toute la barre de super, voilà. Ouais, Chop Spé. Eddie est pas sorti, il avait toute sa vie et du coup, c'est pour ça que ça passe, hein, on s'y attend pas. Hein. Donc en général, les atos ils font la Chop Spé pour redonner toute la vie d'Eddie vu l'animation qui dure très longtemps. Hop là, Eddie qui revient. Bah, punch, punch, faut invoquer là. Invoquer. Non, il préfère faire R2R. Bon, bah tant pis, c'est plus son tour. Ah, quoique, bah voilà, oui, son tour. Est-ce qu'il va réussir à tuer là-dessus? Bah, ouais, leap. C'est parti, toujours pas de oppose, il tente de faire Chop normal. Au pire, il y avait 50%, s'il avait raté, il refait un drift comme ça, ce qui permet à Zweig de s'enfuir avec le Blue RC. Non, il peut pas casser le mur. Attention, le Blue Rage, là, ça va être très mauvaise nouvelle pour Zweig, il va peut-être perdre là-dessus. Hein, Kumoko qui fait exprès de camper pour laisser Zweig mourir et perdre toute sa vie. Ici, il suffira d'un coup, et c'est le voilà. Le bas punch, encore. Le bas punch, non mais il fait vraiment peur le bas punch de Zato, juste parce qu'il touche loin. Et que derrière t'as Invite Hell, machin, tout ça. Ah ouais. Les bons dégâts à l'autière. La bonne rentabilité. Je suis entièrement d'accord avec cette super. Oui. Là, Zweig, tu trouves une ouverture. Nagoryuki, tu trouves une ouverture, tu la prends. Hein. Allez. 90%. Attention à la jauge de sang, il récupère toute la jauge de tension ici qui va remonter grâce au wall break. Attention à Kumoko. Hein. Attention, Kumoko qui a toujours pas fait. Lui, il a gagné, même un bump punch. Ouais. Kumoko qui fait toujours pas de oppose, pourquoi il fait pas de oppose? Qui va prendre double saut punch? C'est dommage. Le R2R du respect. Ouais. Oppose, pourquoi il fait pas de oppose? Tu sais, la oppose, c'est l'armor de Eddie avec les 6 bras là avant qu'il saute en serpent là. Ça bouffe tous les coups, faut vraiment faire ça, il le fait jamais. C'est dommage. C'est très très fort ça. C'est en effet quasiment le meilleur truc de Eddie. Ah oui, hein. J'avais vu genre des trucs tellement. On n'a pas encore trouvé counterplay efficace en réalité. Ouais. Allez. Pour l'instant, tu subis et. Une vite réelle. Ça contente de la jauge d'Eddie, oui, mais c'est pour ça que justement il a une super qui ressuscite Eddie, hein, le Sun Void. Et il y a aussi la Chop Spé qui remet Eddie. C'est à ça que ça sert justement derrière le Oppose. Et ce qui est fort, c'est que derrière Oppose, si tu essayes de sauter, tu prends les serpents. Du coup, tu prends encore le press. Bon, certes, de Zato tout seul, ça fait moins peur, mais toujours là. On attend Zweig, hein, qui a. Rentabilise ses ouvertures, hein, 50% de barre du côté de Kumoko, attention. Voilà, Sun Void. Hop, on envoie Eddie. Il a pas réussi à le mettre dans le dos. Mawalu, oh la dégâts. Oh, c'est dramatique. Ah, c'est dramatique. Ouais. Hein. Il a bien profité du Blood Rage là, hein, Kumoko. Hein. Déclencher le Blood Rage comme ça. Flight. Ah, bon, d'accord, oui. Bon, tant que c'est pas puni, hein, tout va bien. On y va, attention. Oh, le saut qui était bien trouvé par Tzfai pour pas se faire entière. Hop, Chop Spé. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça fait 6 sashs là-dedans. Okay. Là, c'est airborne, du coup, je pense qu'il a du hard read d'une shop. Ouais. C'est... Sachant que c'est air dash cancelable, le 6 sash hein, de Zato. Hein. Ça permet de faire un empty jump low derrière les 6 sash aussi. Hein. Ça manque de ça. Flight, attention, oui, flight. Il fait tellement peur le 2H de Nagoryuki. Bah, Nagoryuki, il fait peur que quand il t'arrive dessus, de toute façon. Hein.
Voilà. Bah punch, là, pas d'invite hell, voilà. Invite hell. Et dit, il a toute sa vie, il va falloir le sortir dès qu'on a l'occasion, au lieu de prendre ça. Attention, c'est pas grave, il y a un round d'avance de toute façon. Hop, le leap. On y va, re-leap. Continue. Oh, erreur d'exé. Le blue RC pour approcher. Hop, ouais, ça c'est pour approcher. C'est normal, le bad punch. Bad punch. Qu'est-ce qui va se passer? Leap. Leap, re-leap. Et dit qu'il meurt. Bon bah. Il y a plus de vie sur Eddie, il faut profiter. Il en profite, bon il a récupéré le press, Eddie de retour. Ah il n'y a pas d'invite to hell derrière ça, digne d'invocation d'Eddie, attention hein, derrière Bapunch il faut invoquer Eddie, Eddie qui meurt encore une fois direct. Aïe 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 aïe. Oh le touch. Très bien. Balle de match ici pour Tsvai. Attention, balle de match pour Tsvai. Oh déjà. Allez Kumoko, te laisse pas faire. Let's go. Eddie qui se fait one shot ici, invite hell, c'est pas grave. Eddie va revenir. Voilà, Eddie le retour. Allez. Bon saut ici par Tsvai, hein, bon high jump. Nagoryuki ici qui va pouvoir s'exprimer. Aïe 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 aïe, un petit peu trop tôt pour la chop, hein. C'est pour ça que c'est pas passé. Ça leur chop l'overhead, attention. Chop spé, c'est fini. Non, c'est pas fini. Les dents de la mer. Voilà. Ok, il a bien bloqué le super pi. Et c'est fini. C'est fini, c'est fini. Bien joué du coup. Ah, Tsvai ici. Qui reprend ce match 5 à 1. Ouais. Impérial. Un peu comme je m'y attendais en vrai. Hein. C'est... Il était juste plus à l'aise avec son perso en général. Après, Kumoko il joue très bien pour un. Franchement, ouais, je pense que Kumoko s'est bien habitué au perso, mais il utilisait pas toutes ses options. Oppose. Il y a zéro oppose. C'est le coup de Sato qui fait peur. C'est ça, surtout face à un perso comme Nago qui est très mid-range, je vois. Il y a des gros coups qui peuvent se faire pas mal counter-poke par un spécial comme ça, quoi. Du coup, point d'exclamation 2, D-E-U-X, hein, vu que Tsvai ça veut dire 2, pour la prochaine raffle. Hein, je rappelle qu'il y a toujours des jeux à gagner aujourd'hui. Hop. Oppose, j'avoue. Nifik essaye de hard read, mais comme Kumoko, je ne fais pas oppose parce que je ne maîtrise pas encore Zato à 100%, mais je pense que Kumoko maîtrise beaucoup plus Zato que moi dans l'état actuel des choses. Hein. Donc Kumoko. Après, Kumoko, je l'ai vu jouer en février, et c'est beaucoup mieux amélioré sur cette bêta, donc bien joué à lui. Surtout que c'est un nouveau perso pour lui, hein, Zato. Hein. Il jouait Jam à la base. Il y a ça aussi. Voilà, et pareil, Tsvai, il jouait Ramlethal, hein, si je disais pas de bêtises, hein, sur Xrd. Il a complètement changé, là, en passant sur Nagoryuki. Il jouait Ram, j'ai joué un petit peu contre sa Ram, d'ailleurs. Il avait switch un peu sur Potemkin, mais ouais, c'était globalement un joueur de Ram, ouais. Mais voilà, les gros persos, bon, ça le connaît. Quoi. Du coup, maintenant, c'est Kiki. C'est Kiki qui fait le prochain match. Ouais. Bad Blood Qs. Un autre match de la hype, je pense. Bad Blood, donc un peu notre Zato national, face à Qs, qui est notre Hellfelt national. Bon, bah maintenant il joue Mei aussi. Il joue Mei sur ce jeu. Mais donc deux quand même gros joueurs en Europe. Et surtout, ça, c'est deux Seaframe réactables, donc c'est des frères à nous. C'est évidemment. Un frère de la team des Seaframe. Après, ouais, Qs, moi je sais que. Il a full dosé les deux bêtas. Bah là, tu vois, il a un level encore plus élevé que celui que de. Popotino Zvampen. Ouais, voilà, Zvampen tout à l'heure. Ouais, vraiment. Vraiment, il s'est tué sur la bêta, Qs. Ouais, le jeu lui avait beaucoup plu. Bad Blood, il y a moins joué, mais par contre, il avait beaucoup aimé cette version de Zato. Il avait là pas mal de trucs, il avait regardé un peu des fusils, etc. Je pense qu'on peut quand même s'attendre à peut-être un léger avantage Qs, mais on peut s'attendre à pas mal de résistance de la part de Bad Blood. Ah, il y a Nifi qui demande s'il peut venir commenter celui-là. Yes, alors, hop, où est-ce qu'il est? Attends. Bien. Faut que j'arrive à le faire venir. Alors, suis l'invite. Hop. Vas-y, tu rejoins. Ouais, rejoins le Discord. Alors, comment qu'on fait pour lui donner l'autorisation du... Alors, j'ai pas fait l'annonce que... Mais bon, les gens ont vu l'invite tourner hein, du bot. J'ai lancé mon Discord. Mon serveur Discord est là.
Donc je vous invite à le rejoindre, hein, où je vais faire tous les prochaines émissions FT à la... 7 à la maison, club DFT5, tout ça, hein, là où je vais poster mes tutos, je sais pas si je les posterai en avance, hein, ou en même temps que sur YouTube et tout ça. Je vous invite à rejoindre ce Discord et alors je laisse les modérateurs. Nifi est là mais il a pas l'autorisation. Alors, quelle autorisation vous pouvez donner pour qu'il ait accès à ce channel, sinon au pire on en fait un autre. Pendant que moi je suis en train de préparer l'overlay. Dans le pire des cas, il rejoint vocal et je fais. Au pire, attends, je lui donne l'autorisation comme ça, lui spécifiquement, voilà, ça devrait être. Voilà. Et dans le pire des cas, il rejoint en vocal et on. Ouais. C'est... Hop là. Voilà. Bonjour. Salut Nifi. Ça va les gars? Ouais. Oula, attends, Nifi est trop fort, ce qui est normal, hein, c'est Nifi. Ouais. Je le mets un peu moins fort. C'est le lore. Je te nerf, hein, excuse-moi. Vas-y. Voilà. Hop. Est-ce qu'on entend bien Nifi ici? Ouais. 1, 2, salut les gars. Salut Nifi. Salut tout le monde en fait. As-tu supporté le. J'ai mis 3000 points de chat, mon gars, je suis venu lui donner de la force à Qz. Du coup, toi, c'est Qz là, ton pronostic. Bien sûr, c'est Qz. L'autre il joue Zato et l'autre il joue Mei. Day one, il y en a un qui va faire jump pass et l'autre qui va perdre. C'est un point de vue, ouais. Je pense effectivement Qz a un avantage. Ouais. Nifi, avec qui veux-tu commenter ce match? En général, on essaye de pas être plus que deux par match pour pas que ce soit trop le bazar. Ouais, allez-y, envoyez un mec qui est chaud là. Qui est chaud pour commenter avec Nifi? Sinon, je vais parler de Mei et c'est pas bien. Je peux. Masker. Vas-y, Masker. Vas-y. Masker le sang. Ouais. Hop, Nifi Masker. Est-ce que tout le monde a tapé point d'exclamation 2 du coup? Ou pas? C'est bon. Non, je sais même pas si je l'ai fait. Bah fais-le. Je l'ai fait mais j'ai oublié. On a vu ta tentative de read sur le point d'exclamation en pause. Elle était pas mal la tentative de read. Hein. En attendant, bah du coup Nifi, tu fais le stop. C'est ou pas? On voit qu'il y a un genre de sort. Hein. Alors 3, 2, 1, stop. Ah bah oui forcément. C'est le joueur de sol qui dit stop, ça. Yes, merci Nifi. Ça fait plaisir. Un, t'as toujours mon pépère. 1, 2, 3 ou 5, Masker. 2. Tu gagnes Rover Mechanic Simulator. Aucune idée de ce qu'est ce jeu, hein, mais. Hop, Masker qui gagne. C'est vrai qu'il y en a, j'ai gagné ici que j'ai pas encore testé, faut que je le fasse un de ces jours. Voilà. Ça commence à faire hashtag tricheur. Alors, c'est ça change les prédictions là. Ça change les prédictions. T'as mis 20 000 points sur Qz. Je suis pas d'accord. En attendant. Ils sont riches, les gens, c'est grave. Bon, nous sommes prêts. Les prédictions sont toujours là. Le replay est prêt. Hein, je rappelle, ce sont que des replays qui datent de la bêta précédente. Hein, donc les replays ont tous minimum une semaine. Et là, c'est un replay. Normalement, c'est un replay clean, donc il n'y a pas de voix, pas d'overlay de stream, ni rien. Je peux donc mettre le son du replay. Et c'est un FT5 que je lance maintenant. C'est parti. Ok, let's go. Du coup, ouais, comme je disais, un Bad Blood, joueur de Zato de longue date maintenant, je pense. Ça commence à faire un moment, ouais. Ouais, il a commencé à jouer à Revelator, il me semble. Qz qui avait un peu joué au jeu, mais il est vraiment revenu relativement récemment sur F2. Il a été assez dominant avec Seinfeld. Il gagnait beaucoup de online, c'est pas mal de trucs. Et donc il avait une Mei déjà. Ça fait bien 2 ans qu'il est revenu. Ça fait bien 2 ans qu'il est revenu. Ouais, avec le Covid, la temporalité là, elle est modulable. Ouais, c'est clair. Je suis encore en. Voilà les dauphins. C'est genre le 400e jour de mars 2020 pour moi. C'est ça. Vous noterez que Bad Blood a des stags, mais il a quand même pris la chopster en visette. Donc déjà, on a l'info qu'il s'est des stags. Mais bon, il a pris mid bar, il a pris un petit dauphin comme ça. Il essaie d'invoquer après le dauphin, donc normal. Un bon psychopathe. Et il va juste crever. Et voilà. Tu t'invoqueras plus après le dauphin, okay. Oui. Méga violent comme premier round. Voilà les points de chaîne là mon gars. Merci. Hop. Dauphin whiff into 2D. Hein, on est en 2015. Il a refait. Bon par contre, bon pressing là de la part de Bad Blood. Release qui arrive. Il casse bien le Eddy avec le jump S. Petit overhead en reset parce que t'étais trop loin pour faire balayette peut-être. Ou qu'il pouvait rien faire après 30 ou je sais pas. Oh, je sais pas ce qu'il a mâché mais il a pris un bon back gros point des familles mon gars.
2H counter comme ça, après que le mec s'approche de toi. Nobiru. Oh, je sais pas pourquoi il s'est fait ouvrir par le Nobiru ici, et il va mourir. Ah ouais, mais il y en a aucun des deux qui met la garde, ça va être insupportable. Écoute, on va voir bien les animations des coups qui passent. Hein, là, regarde, ce petit snapper, il a fait le grand pour faire balayette, mais en gros up. Ok, ça part sur un high cette fois. Tac, petit 2S dauphin. Dauphin, ça saute. Jump bash, évidemment. Tac. Ouais, c'est vrai que le 2H de Zato, il va quand même assez haut dans cette version. Entre ça et le leap dans les airs, il y a quand même une balle. Il faut avoir un peu peur sur Zato. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui, il va aller bash dans le high. Je me demande un peu qu'est-ce que c'était ce sifflet de la part de Bad Blood, je sais pas s'il a tenté de le counter-poke un peu ou quoi. Je sais pas. Il était peut-être un peu frais. Hop, Totsugeki, Totsugeki évidemment. Tac, Invite Hell. On profite des plus frames avec le RC. Oh, il a rien compris. Tu veux essayer de mettre une chauffée dans la bizarrerie. Il retape après Dauphin en bloc et il a tapé. Parce que. Ah, mais ça a marché en plus. Oh putain. Pas bon. Je crois que c'était bien joué. Trade, mais psychopathique, il fonctionne. Hein. Ok, bah je me suis dit, bah il a pris Fares Midi, et bah non. Bah bien joué à lui. Ça vole les frames ici. T'as jamais vu ce que tu fais du stage. Bah en fait, c'est l'un des stages avec le plus de variations. C'est vachement intéressant ce qu'il fait, Q's. C'est il casse la bête avec 2H et il cancel par dauphin. Ikudasai. Donc sa petite nouveauté de Strive, mais qui peut resauter après le dauphin horizontal. Vertical, pardon. Ouais, exactement. Il est toujours overhead. C'était bien punissable, mais... Je bon, bah, suis pute, mais je suis pas sûr, j'ai pas vérifié, j'ai pas essayé de le prendre mal. J'ai pas envie de perdre des matchs. Oui, moi, dès que je le voyais, je faisais dragon, donc je saurais pas. Moi, au moins, je veux me lever, quoi. Ouf, ça just bloque les bursts, hein. Optimisé, hein. Ça just bloque les bursts, hein. Hey. Le style. Tatsugeki. Ah oui, ça whiff et ça renvoie Tatsugeki derrière. Into Tatsugeki vertical. Insupportable cette Mei. Profitez-en, le mois de Mei, c'est bientôt fini. C'est vrai. C'est pour ça que tout le monde joue. Ah oui, c'est ça, c'est ça qu'on veut. Hey, petit overhead. Il n'y a rien derrière l'overhead, mais il vient courir. Ça marche. Dans la blayette en whiff, into dauphin, into reset à la chaussée malgré le destin encore une fois et ça va casser le mur. Ah non, Zato, ouais, je sais pas si c'est possible d'échapper en fait à la chaussée après un destack. Si tu veux. Mais il faut sauter, en fait le souci c'est que si tu destacks comme dans XOR en mettant la barrière et que tu sautes après, vu que t'as la barrière tu sautes pas. Ouais, je vois. Et on est à 2-0 pour le joueur de Paris. Il me semble qu'il est de Paris. Ouais, là c'est Paris contre le 38. Tu faisais parisien. Et bah, Dalou, c'est Grenoble. Ouais. Philippe, de la part de Bad Blood, du coup, voilà. On snipe, mais en dehors des airs. Tu sautes pas, qu'est-ce que tu voilà, fais. Voilà, bien joué ça. Petit pressing, et il a essayé de faire shot pay. Il a pris backshot. Ah, il a repris shot. Qui est dit, ok. Ah, je vais pas respecter cette pression, évidemment. La défense de dingue. Toujours, qui est vachement efficace. Il sait vraiment bien défendre, il s'est matché au bon endroit, etc. Il a essayé de varier une fois pour pas mettre la chauffe, il a vu tomber sur la barrière, du coup il a refait court chauffe. Mon avis, il va plus jamais varier après chaque dauphin counteriste de tout le set. Ah, il a sorti Eddie, il a vu qu'il s'est rien passé, il l'a rangé direct, il s'est dit il va mourir. Eddie qui s'est fait tuer par le ballon, par contre, Bad Blood qui a pas mal de metteurs, bon bah il est mort. Ouais, tu sautes pas sur le 6P de Mei, donc globalement tu sautes sur personne dans le jeu, hein. Les 6P ils ont été un peu trop buffés. Ah bah si, il a continué à varier pour que ça continue à pas marcher. Bien joué, les bons rides. Qui invite Hell ici. Tac, on se prend un dauphin. Oh, le whiff un petit peu bizarre sur le Baki, qui est derrière, bah ça masse bizarrement, bien joué à eux. Hop, RC là-dessus, S-Bash. SH, pardon, pas Bash. Hey. Chose qui a juste sauté au-dessus de tout, il a run sur toute la map double. Je me demande s'il peut pas assister après la balayette gars. Quand il y a deux points comme ça. C'est possible.
Oh, bien joué, la distance. Ah, le YRC. Ça a raté un overkill du coup, mais ça a pas été puni par Bad Blood. Aïe. Aïe. Celui-ci. 3-0. Là, les dauphins puissants. Hein. Je peux rien entendre, Fuse, là, sur ce set. Hein. Ah, c'est clair. C'est Qs avec le Y, hein. Il y a un Qs avec un I et un Qs avec un Y, il y en a deux. Qs avec le I, c'est le joueur de Lyon. Ouais, ouais, c'est ça. Le joueur de Goku. Mais c'est celui, c'est Qs avec un Y et avec un F. Ok, ça envoie Eddie. Eddie, il a tué Eddie avec 5 F. Hein. Oh oui. Aïe, 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 aïe. Un très très mauvais joueur. Ah non, ce burst de la part de Bad Blood. Fallait dire si c'était Ogawa qui jouait, hein. C'est un hommage. Il a mis Shop Spé. Ah non. C'est Shop normal, j'ai pas vu. Non, ça c'est la Shop Spé. Ah oui, donc il a mis Shop Spé sur un mec à 0 de vital. On apprécie la gourmandise. Hop, et le double saut après ça, ah, ça ronfle. Peut-être qu'il préfère l'animation. Ouais, non, mais si t'es sûr qu'elle passe, mais celle que tu veux, hein, mais. C'est ça. Ah voilà, quelqu'un qui fait oppose. Question ici de la part de Bad Blood. Qui a bien encaissé tout ça, par contre il se fait ouvrir avec un petit peu de risque dans le coin. Il a perdu pas mal de vie, ça a choisi de burster direct. Le Phares, que... le mec est assez violent. Ouais, il a fait dash 2H, ça a counter, et ça va péter le mur. Ouais, ça va péter Mei tout court en fait. Ouais. Allez, Bad Blood. Bad Blood qui se remet bien dans le match là, c'est cool. Ah, ça IB l'invite ah, hein, ça a pas le temps. Il pique dans le Eddy, mais là par contre s'il a pas Eddy. Ah ouais, en plus c'est l'ultimate, ça va être la galère gratos. Bad Blood qui saute toujours avec la barrière alors que bah ça sert plus à rien, frérot. C'est à ça que tu reconnais les joueurs de. Ouais, bah de ça c'est les anciens. Super. Oh oui. Oh les grands joueurs qui se rendent compte là. Hop. 6-3-4 en vie. Il a fait dash. Ah voilà, c'est bon. Continue à pas varier. Hey. 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 Et là, c'est peut-être la mort, non. Kyo sera pas avec le. Ah. Bah non. Je suis sûr il pouvait tuer. Ouais, non, c'est clair. Bad Blood était collé au mur. Regarde l'écran. Mais c'est comment tu fais la conviction de mettre un bébé là. Mais il a jamais peur de mourir, il rend fou. C'est 2P des enfers, c'est incroyable. Ah mais c'est Qs, hein. C'est son truc, hein, les deux. Non mais il a raison, hein. Ça, il prend pas de mitonnerie comme ça. Mais ah, ouais, c'est clair que c'est les meilleurs 2P que t'as vu en Europe, mais ah, mon gars. Y en a, hein. Hop. Ouais, même dans X-Sur, l'image des 2P à des endroits. Non bah il a raison, c'est parce que les gens font trop de mitonnerie, hein. Oh oui. C'était bien joué. Ouais, le Zander, l'attaque. Hop. Bah, est-ce que toujours dans le startup d'un dauphin, je pense, vu qu'il était airborne et qu'il a pris counter. Bonne garde ici, hein. Il re-saute derrière. Maintenant, il varie plutôt que de mettre balayette en tournant. Ah non, là, il a remis balayette de nouveau. Ah, le 2H un petit peu au pif, il sait finir par le dragon. Enfin, par le ballon. Par le dragon, puisque j'en trouve. Ah, par contre, j'ai pas trop compris le Phares de Bad Blood ici. Oula. Oh, il finit là. Voilà. Bah, S, 5H. Et il va sur du 5K, c'est de ouf, elle est trop bien. Ah, mais toutes les animations de Zato, elles sont craquées là, dans ce jeu. Ouais, c'est incroyable. Hein. Ouais, ils sont vraiment lâchés sur ce perso. C'est... Il est très très beau, vraiment. Grosse identité visuelle. Bon, je trouve qu'il en manquait un petit peu dans X-Sword. Franchement, sur ce jeu, ils ont corrigé de ça, mais violemment. Beaucoup de choses sur place, la jump patch, et beaucoup de dauphins. Ouais. Ah bah beaucoup de choses, hein. Oh, comme je le déteste. Il s'est passé beaucoup de choses ici. Bourrer des dauphins. À un moment, il s'est fait punir. Il s'est relevé en super. C'est le pire mec contre qui joue à une bêta. Ah, horrible. Bien joué, lui, en vrai, ça a marché, tu vois. Genre, je rigole, mais c'est ce qu'il fallait faire. J'en fous, hein, mais ça marche. C'est bien la phase de je te déteste, mais bien joué. Ah, mais c'est ça, tu vois. C'est insupportable de jouer contre toi. Du coup, c'est que tu joues bien, hein, tu vois. C'est clair. Ah, on pose. Il a pas pris les serpents. Non, il est retombé bien le dos droit contre le mur là, à faire la chaise. Le YRC, ah c'est puni. Oh oui, whiff jump H, il retombe en balayette, c'est mon héros. Overhead. Ah il a essayé de s'y mais je pense que c'était un peu en retard.
Hop, bon burst là de la part de Bad Blood qui est sur le dernier mangame et qui se fait airshop et 5-0. Et GG. Oh, je sais plus comment tu dis 5 en jap. Aïe aïe aïe. Voilà, c'est un 5-0. Q, je crois. Ouais. Q, c'est 9, c'est à. C'est Go, du coup 5. Ah oui, Go, oui, parce que Go ici c'est 501. Voilà, c'est ça. J'ai. Attends, comment qu'on fait? Parce que j'ai le chat devant l'écran. Voilà, le chat ici qui prend beaucoup de place. Hop. C'est ouf, le mec, il te respecte pas, mais c'est tellement dur de le faire respecter. C'est ça, donc un. Donne-moi un point! Hop là, donc. Et Bad Block qui nous dit une buff d'ato. C'est ça. Non, non, on reste tranquille, toi. Hop, donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme mot-clé ici hein, pour Totsugeki. Ce match ouais, ah, personne ne saura l'écrire Totsugeki. À la limite, Doskoi, tout le monde sait écrire Doskoi. Doskoi. Allez, Doskoi. Avec le i bizarre là. Non, j'ai pas mis le i bizarre, j'ai mis le i alphabétique. Académiquement. Le i latin. International latin, voilà, c'est ça. Doskoi. Ah, j'ai mis le U, moi, par contre. Ouais, moi, j'ai mis le U. Doskoi. Mais y'a pas de U à Doskoi. Ah, y'a pas de U. Ah, Dosukoi. Y'a pas de U, attends, qu'est-ce que... Bah, techniquement, si... Dosukoi. Bah, ça dépend de comment tu romanises le kanji. Ouais. Ouais, non, bah, mais moi, je le mets, non, mais lui, en donc, fait, tu sais, après une consonne, t'as toujours une voyelle, comme ça, en jap, de toute façon. C'est ça. Hop, les points de chaîne. Ça peut vite, quoi. Doskoi. Et donc, maintenant, on va avancer vers le dernier match du jour. Ouais, c'est déjà la fin. Le classique français par excellence. Hein, vraiment. Moi, j'ai ma bouffe qui va arriver, du coup, j'ai pas pouvoir commenter. De toute façon, c'est ton match, donc... Ouais. Voilà. Match. Va pas se prendre. Je vais pas dire, je suis à moi-même d'avoir bourré dragon. Bah si, si c'était un beau dragon. je pense que tu l'aurais fait, y'a pas de problème, mais... Genre, j'imagine bien la défi. Là, je me déteste d'avoir bourré comme un connard, mais ça a marché, donc en fait... voilà, ça donc... Ça aurait été ça, 100%. Et Niffy avec la couleur Aken, en plus. Ah, hop, bon, je vous laisse. J'aime un bouquet, là. C'est ça, hein. C'est donc Niffy 7, hein... N'hésite pas à mettre le lien de ton Twitch aussi dans le chat. Hein. Non, il est parti déjà. Bah, écoute. Oui, bah, il peut partir et remettre son lien après. Hein. Il peut très bien faire ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, Niffy qui est passé nous voir, un meilleur joueur français avec Shenzo et Feu Trash sur Xrd. Et Jackal aussi qui fait partie du top des joueurs français sur Xrd. Hein. Je vous dis de... bien aller le suivre lui aussi parce qu'il va faire des choses sur Strive sans aucun doute et aussi Bravo sol. Qui a mis 20 000 sur Niffy. Waouh, 40 000 sur Poyo. Ça surenchère, hein. Alors FT5, c'est vraiment que Niffy c'est une valeur sûre, mais faut le faire quand même, ouais. Donc ouais, en vrai Poyo il a des putains de fondamentaux, hein. C'est le truc de Poyo, ouais. Le mec est très 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 solide, quoi. C'est ça, hein, c'est... Mm. C'est incroyable. Donc, Poyo Niffy, vous votez pour qui, là, Poyo Niffy? Alors, Poyo Niffy, c'est vraiment, comme je disais, le classique français. Ils sont affrontés genre 10 000 fois, c'est le match-up Sol Kai, donc c'est la quintessence un peu de Guilty, finalement. Il me semble que Niffy avait plutôt l'avantage quand même, généralement. Niffy qui est pas le meilleur joueur français pour rien, vraiment. Je pense que c'est à son avantage, mais Poyo, clairement, il peut faire quelque chose ici. Mm-hmm. Pour moi, pareil, Niffy a l'avantage, mais... Poyo a des... Enfin, Niffy a l'avantage, mais Poyo a des tels fondamentaux que... Ouais. Surtout que Kai est pas si faible que ça dans ce détail, hein. Ça fait partie. Non, clairement, il a le. Fort, donc voilà, et surtout, Kai a d'excellents tiers plus Poyo qui est un maître de l'entière. Genre, j'ai jamais vu un mec qui saute pas sur Poyo. Genre... Soul Strive. Alors oui, Soul Strive, mais bon, Niffy il était là avant Strive. Hein. Et puis Kai, il est pas mauvais. Hein. Kai est pas mal. On l'a pas énormément vu. On a beaucoup parlé de Soul forcément parce qu'on a beaucoup parlé de Soul, de Rab. Mais Kai est loin d'être mauvais. Ouais, c'est ça. Pour moi, Poyo surtout. Je pense que vu la violence des entières de Kai dans le jeu,
va avoir... Va pas falloir que Nifi tente trop de lui sauter dessus, hein. Bah après, Kai il a des anti-air vénères, mais t'as toujours le bandit bringer, hein, donc... Ouais, là. Mais Puyo il m'a anti-air des trucs qu'aucun autre mec au monde m'a anti-air. Du coup, c'est Kiki qui dit stop. L'espace aérien est à moi. Stop. C'est Groby là du coup qui gagne l'avant-dernière clé. Ah GG Groby. Donc de 1 à 3. Groby. Respecte-moi, je réfléchis durement entre deux fois. Alors, Groby. 2. Donc Groby qui gagne Rover Mechanic Simulator. Alors il est où Groby? Attends, c'est pas le truc que j'ai gagné là il y a 2 minutes? Oui, je crois que t'avais aussi l'idée. Ouais, le 2 il était déjà pris du coup. Ah, il était déjà pris ouais. Ah oui, effectivement, oui, ouais, il est déjà pris, bah, excuse-moi, donc c'est 1 ou 3. Non, c'est 1, 3 ou 5. Si c'est un jeu qui t'intéresse pas trop, on peut toujours changer. Oui, bien sûr, vous faites ce que vous voulez avec les clés. Song of Horror, du coup, il gagne. Oh, ça c'est intéressant. Édition complète. Voilà, hop, j'envoie. Qui veut commenter avec moi ce dernier match? Moi je suis chaud, en plus c'est du sol. J'étais bien chaud pour la hype, mais... Moi, tu veux encore commenter le sol? Ah bah ouais, écoute, moi, écoute, c'est le perso du cœur. Moi, je suis là pour lui. Mmh. Allez, vas-y. C'est qui? C'est moi et Masker du coup. Regardez, écoute, fair enough. Fair enough. Donc c'est moi et Masker, c'est ça? Allô? Vas-y. On y va. C'est parti. Hop là, le Pigar à tête blanche. 27 000 points sur Puyo, 42 000 sur Nifi. Il y a beaucoup de points qui vont circuler ce soir, mesdames et messieurs. Allez, c'est parti. Route sortie sèche. Hop, ça répond avec boule direct. 5P entière, hein. 5P direct là, hein, alors qu'il y a un très bon 6P hein, du côté de Kai aussi. Hein. Mais 5P, visiblement, ça a fonctionné. 6H, rien. Bon, ça n'a pas été puni, donc c'est pas si grave. Hein. Tant que c'est pas puni, c'est valide. Attention, là, le dragon, le Viper 3-5 qui a été parti et laissé complètement impuni. Hop, c'est bien joué, ça. Aïe. Qui fait un peu footise. Ah, c'est dommage, il a raté son combo. Ouais, c'est vrai. Ouais, Mifi qui fait pas mal de spacing ici. Petit Fafnir, ça, c'est plus 11. Punish. Ah ouais, tu peux punir ça avec le 6H aussi loin. C'est quand même... Oui, Punish au 2P dans le 2D. Hop. Ok, attention. Joli combo ici. Ouais, c'est un truc comme on peut Gatling en fait avec les commandes normales sur l'épée. Avec Salt, c'était possible en faire de faire PPP 6H pour avoir un knockdown. Donc oula, c'est pas un excellent knockdown, mais c'est un knockdown. Voilà, on disait on saute pas sur Puyo. Hop, bah H, Foudre Arc direct. Et c'est un premier round qui vient à Puyo qui a quand même un peu dominé ici. Qui run 6P évidemment, hein, le 6P de sol, il fait un peu plus anti-air qu'avant, mais ça reste toujours quand même un bon counter-pop. Ça a pris une boule ici, ça s'est fait électrifier du coup. Attention, Puyo qui reste quand même à une range où Nifi peut pas trop le contest pour le moment, étant donné que Sol a quand même perdu son Phares de X-Herb. Dommage, mauvaise gestion à la distance. Son Phares dans ce jeu est très bien aussi, mais c'est pas le même. Mauvaise gestion à la distance de Nifi, hein, qui a fait un 5K un petit peu trop loin. Attention, bien joué ça! Punition anti-burst, hop, le RC pour bien voir le burst et le faire rater, hop, wild throw. Il n'y a pas quelqu'un qui a jugé juste avant de finir en wild throw plutôt qu'en shop normal, hein. Je dis ça, j'ai rien. Non, ouais, hop, 5 à rien. Ah, c'est dommage ça. Dommage, le 5 à rien. Hop, on dragonne. Déconnecteur revolver, évidemment. Tac, joli backdash qui sache. Et Puyo qui s'est relevé en machant. Il a pris un bon counter ici. Wild throw. Ah, ouais, ça a voulu 6P le Phares. Hein. Gunflame. Et ça le tue, 6S ça. De stall. Oui, ça tue. Ouais. Ça tue totalement. Ouais, la réaction c'est un burst. Premier match qui va pour Nifi. La réaction de burst de Nifi est tellement absurde. Ouais. C'est un match offline, hein, je rappelle. Voilà. Hop. Ouais. Évidemment, hein, le... Nifi et Puyo, les frères. Tac. 6H counter. Dans la ah, boule. Joli hein. Confirmation avec le 6H ici. Dragon. Joli DP. Ah, il a bien backdashé en l'air hein, quand il a vu le 5K qui était sorti. Du coup, 6P direct là, 6P direct là, c'était le truc, vraiment l'outil de Kai dans la dernière bêta. Hein. 6P direct là, c'était vraiment quelque chose. Hop, encore une fois, 6P direct là. Ah, ça punit par contre. Hein. 6H, ça punit direct là. Hein. Donc je dis ça, mais attention, ouais. Apparemment. Le 6H de sol est vraiment punissable, mais il est vraiment, vraiment rapide. Quoi. C'est vraiment un coup dangereux. Encore une fois.
Gunflame, Boule. Ça envoie des bombes du côté de tout. Bandit de paix. Revolver de paix. Revolver de paix, hein. Très joli, hein. Bandit Bringer, ça counter le 2H de Pogo. Hein. Mm-hmm. Oh là là, attention. Comme je disais, faut faire gaffe à ce Bringer, hein, quand ça le saute. Boule, boule, Vortex, énervé. Est-ce qu'il prend le mur? Non, il prend pas le mur. Fares, ça 6P direct là, voilà, 6P direct là encore une fois. Close SS. Ouais. Ah, dommage le Stun Deeper ici, hein. Sur l'autre côté. Un truc bon à noter, je pense, c'est que ça a 6P à travers le Fares de Niffy. Bien joué ici, Foudrark. Ça a essayé de contester le Foudrark derrière. Ça a fait le trade en avantage quand même à Poyo qui prend ce round ici. Ouais, avec un petit 5K. Hop, attention. Saut so H. Ça... Un petit peu trop loin l'anti-air de Niffy. Ah, le saut H de Kai qui est très très fort aussi. Hein. C'est très dur anti-air ça. 6P, ah, 6P sans direct là. 6H. 6H rien, hein, mais bon, tant que le coup est touché, c'est ce qui était important. Ça a mis au sol. Bon dragon ici, hein, pour sortir du coin. Fafnir. Vortex, énervé. Bandit ouais, Bringer. Il confirme là-dessus. Refafnir. Ah, ça a vu la chose. Ah, ça a tenté la Wellthrow, mais Poyou qui a été réveillé ici. Poyou qui a respecté le Bandit Bringer. Un petit peu trop loin ici pour Wellthrow, attention. Il y a un Tash qui est pas sorti. Oh, le Dust. Aïe aïe aïe, le Dust qui est tellement dur à réagir. Hop là. Qu'est-ce que ça va être? Saut H. Il va confirmer là-dessus. Oh non, c'est dommage, Stun Deeper ça aurait tué. C'est pas grave. Ouh, il a failli. Ouais, failli abandonner le round ici. Hein, le Stun Deeper qui est devenu un Stun Edge. Pouah. On n'a pas eu beaucoup de Dust, c'est vrai. Allons-y, hop, un partout. Bah S. Mm-hmm. Bah S encore une fois. Ah, oui. Vraiment le beaucoup de jeux de spacing pour le moment. Oh, ça punit ouais. Revolver par shop, waouh. Mm-hmm. Bah H. Ah, bien joué, bah H direct là ici. Il a pas eu réussi à punir avec le 6H, hein. Tout à l'heure il avait réussi, là c'est bizarre qu'il ait pas réussi. Il doit y avoir une distance particulière. Attention, hein, le zoning au boule direct là, attention, voilà, là ça, c'était trop près. Attention, le direct là, hein, de Kai qui est un excellent outil pour reprendre la distance, mais quand même bien calculé, hein, ici, il faut quand même bien la calculer et pas la faire n'importe comment. On pousse vers le coin, bad dust rien, Stun Deeper, ici, ça burst bien et ça renvoie de l'autre côté pour éviter de se refaire quantiser, Fafnir. Ouais. Oh, Stun Deeper, un petit peu trop près, c'est dommage, ça a pas réussi à prendre la mise au sol. Ici, Niffy qui essaie de prendre, ici l'avantage derrière ce Bringer en whiff. Far S, est-ce que ça tue grâce au mur qui tue? Non, il a pas fait. Ah, il a raté. Ah, je sais pas si il a raté ou s'il a fait exprès de pas tuer. Décalage chop, c'est bien déchopé de la part de Niffy. Il suffira d'un coup. Qui va l'avoir? Et c'est le barrage de Poyo. On ne saute pas quand Poyo ouais, est c'est là. Ça. Niffy qui a voulu s'enfuir du coin ici. Poyo qui a été bien réveillé. Poyo, ouais, c'était déjà une classique des Kai, mine de rien, de faire 5P pour battre le Far S de stall comme ça en round start. Je ne savais pas si ça marchait sur ce jeu. Visiblement, oui. Même si le Far S de stall est différent. IDP comme ça pour pousser jusque dans le coin, mais re-DP, mais re-DP. Tac, 6H d'ailleurs éclat. Le coup sauté, le Foudrark, c'est ça? Ouais, Foudrark. Ouais. Qui permet, mine de rien, de pas mal s'approcher quand l'adversaire est électrifié. Ah, Fares, Fares, Fares. Ça pousse juste dans le coin encore, 2P, 2P. Oh, joli stun. Joli stun deeper ici, Niffy qui veut pas se faire tuer, qui balance son burst direct. Le stun deeper, il y aura pas de knockdown. Cette fois, il y aura un combo. Niffy dans le coin, Niffy en difficulté, Niffy électrifié. Et ce Fares. 2-1 pour Poyo. Ouais, c'est Stun Deeper hein, la glissade, pardon. C'est pas. C'était Stop. Pas Stun Edge. Hein. Stun Edge, c'est la boule. Hein. Flip Kicks, Foudrark, ouais. Oh, tu m'approches pas, 6H. Hop, on pousse vers le coin. Six... Fares, ça c'est dommage, le Fares un petit peu trop tôt et du coup, ça réussit à bourrer dans Foudrark. Ça burst direct parce que le Foudrark a touché Airborne et du coup, ça rebondit. Hop, attention à l'air boule. Bien joué le 6P ici dans Foudrark. Hein. Un petit peu trop gourmand le deuxième Foudrark hein. Du côté de Poyo. Bah punch, bah punch. Il n'y aura pas de DP de la part de Niffy ici. Ah, Poyo le trade. Qui, Poyo qui a bien réussi à profiter de cet avantage. 6S, Bandit Revolver qui touche. On va aller sur le full combo. Ah, c'est dommage, ça a un peu drop à cause de la distance. Il y a eu une tentative de 6S, tac, Stun Deeper. D'ailleurs, tu sais, c'est à ça qu'on voit que Kai est lotière dans plus certes et que Stun Deeper, il sort en lutte. Ah, ah ouais, hein, effectivement, c'est un peu long. Hop, attention, les, 6H, les 2H dans le vent, Niffy fait 6H dedans. Ouh, le 5K qui est sorti du mauvais côté, ça va être une bonne nouvelle, c'est de Poyo qui va prendre le coin sur un combo super, il aurait peut-être pu tuer. Il a pas trouvé l'ouverture, il va être obligé de RC ce Stun Deeper dans la garde. Ah, c'est bien bloqué ça, le Dust. Bien joué, ouais. Niffy. Et c'était ça, c'est la mort. Punissable. Ah oui, le 2, c'est tout à fait punissable. Yeah.
Allons-y. C'est un petit peu plus safe, il me semble, quand tu le charges, mais ça reste genre moins 10 ou un peu comme ça. Tac, joli. Toujours d'ailleurs le jump, jump hash, link, jump cast, ça c'est un truc qui existe toujours. Voilà, preuve d'un dragon chopable. Ouais, la chop se fait dans le dragon ici. 2D, pardon, ouais, JPP. Je vais pas laisser impressionner par le foudre rare. Ouais. Oh, bien joué, là, ici. Ah, dommage. Ah, c'est dommage, ça drop. Ouais, c'était très bonne conversion, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, ça gagne quand même. C'est ce qui était important. 2-2. Très serré, hein, ce match. Hein. Non, c'est beau. C'est ouf. Hop. Ok, let's rock. Magnifique, qui est électrifié dès le début. Ok, joli 6S. Il aurait pu avoir... je pense qu'il a raté son bandit revolver. Ouais, voilà, comme ça. Oh, le dragon. Évidemment pour le knockdown. Pas d'histoire. Ici. Attention. Je sais pas si ça aurait pas accroché au mur, ça. J'ai l'impression que... Ah, peut-être. Ah, c'est dommage, c'est sorti un purple. Il a pas réussi à prendre le mur, du coup. Oh, ça a chopé la chope. J'ai l'impression qu'il a fait une shop. Oh, c'était un 6P. Je suis pas sûr. Hein. Attention. Non, je crois que c'était Wild Throw, mais il a dû faire peut-être un peu de peau. Bah, c'était direct le Closest Counter. C'est vrai qu'il n'y a plus de côté, beaucoup de vie du côté de Poyo. Le 2D confirme en Foudre Arc. Je sais pas si c'était la meilleure confirme à faire ici, vu que ça a forcé la tech direct. Attention, un 6H. Je me demande un peu. Il peut y avoir un vortex qui part vraiment n'importe quel moment sur les Il y a un dash dust qui. On n'a pas vu Nifi représenter beaucoup cette option. Ouais. En attendant, il y a un dash dust qui est devenu dash shop pas puni, et du coup, après, il a refait dash dust et Nifi il est resté debout. Vu qu'il a vu la shop ratée, il a dit tout de suite ok, il a tenté le dash dust. Et hop, bah H, on ne saute pas sur Poyo. Ouais, le 2H de Kai évidemment, toujours un entier très 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 violent. 5P dans le Fares. 5P encore une fois, 5P pour arrêter les Fares. Hein. Mm-hmm. C'est la grande classique des Kai depuis le 1. Joli 2D, ça passe en dessous du Fares. Plein de Fares encore, Kai, enfin Poyo qui se laisse pas impressionner. Il faudra. Snoopy juste dans le coin, Nifi qui est en difficulté ici, 6P. Oh, désolé. Le burst whiff. Et ça, c'est la blague. Nikita, 3-2. Ah, serré, hein. Vraiment serré. On va continuer un boost, un bardage côté Nifi. 6H. Regarde, 6H, hein, obligé de faire le carrière S, hein, pour pousser vers le coin. C'est Fares. 2D. Attention, c'est un jeu 2D, toujours. Hop. Le Kai sort du coin. Ouais, bah, si tu connais pas Poyo, c'est le Kai solide français, par exemple. Oui, c'est, je pense, le meilleur Kai français, hein. Oh oui. Après, oui, on n'a pas énormément de Kai en France, je trouve, mais clairement pour nous, c'est le Kai français. C'est le Kai français. Le Kai français, et même le des Kai confi solides en Europe, on n'en a pas beaucoup. Ah, ça tue pas ici, c'était bien joué l'anti-jump 2D, Tyrant Rave. Oh, bah, JP. Oh, ouais, JP. Nifi qui a pas tué, et du coup, il a fait JPP. La fameuse technique du JPP. Le Kai aussi parlait bien, oui. Nifi qui spoil. Fait la part de Poyo ici, petit boule. On maintient l'adversaire en place, joli qui sache. Ah non, encore une fois, un 6P pour arrêter les Fares. Foudrar counter sans follow-up. Je sais pas s'il y avait follow-up derrière Fares. Derrière Foudrar counter. Attention, il pousse dans le coin. Ici, ça commence à deux jours. Ouais, il a rien fait. Rien fait. Il a bien testé la patience de Poyo aussi. Poyo qui est bien patient. Ici, dommage. Bah, Stun Deeper qui est pas passé. Obligé de refaire un Zonio boule. Hop, que Jungle Flame, force Nifi à sauter. Hein, c'est toujours à l'avantage de Poyo le score, mais par contre, ici, hein, c'est Nifi qui a un round d'avance. Le double dragon. Nifi pour tuer le Fares de Kai ici. Ah, c'est dommage, ça, c'était bien tenté le truc d'attendre un whiff. Plus ah, dommage ça, il a raté. Ah, c'est dommage. Ah, il a raté derrière le 6H. Oh, attends, Ride the Lightning. Aïe. Non, ça va pas casser le mur. Ouais, il était pas assez proche, c'est dommage. Ouh, ça va tuer le Foudre Arc. Le Foudre Arc avec le Shock State. Mmh. Vous continuez ici. 2S Fares Bull. Foudre Arc complètement whiffé, Foudre Arc, mais c'est dur à punir, hein, en whiffé. Hein. En Ardrid avec un 6P, oui. Hop, 2H. Bon, pff, tu me 2H pas, je dragon. Toi, tu me 5 pa- 5K et 6P d'ailleurs éclat. Beaucoup d'interruptions, mais rien. Voilà, Fares.
Ouais, non, mais voilà, Poyou, il a les counterplay sur le farage, j'ai besoin. Bien ça joué. Fait toute la map en vortex à ARC, du coup, pour pas se faire punir. Joli bandit bringer ici pour changer avec le saut. Ça fait counter, les bursts directs. Poyou qui a beaucoup de tension. Bon, bah, il les a claqués pour un PRC. Nifi qui 5K ici, évidemment, le 5K coupe de sol très très rapide. Tac. Et ça va pousser jusque dans le coin. Ok, grosse boule. Encore une fois, le dash dos raté qui est devenu une dash up. Hein. C'est dommage ça. Hein. Ça pique pas, c'est pas grave. Son combo aérien. C'est la victoire quand même, donc c'est pas grave. Ouais, ça, c'est on sent hein, les gens qui étaient habitués à faire dash dust en faisant dash et maintenir le dash et dust. Et du coup, ça sort la shop dans ce jeu. Hein. Petit changement d'input qui a changé ici. Hop. Alors, peut-être Poyou. Hop, oh, bon, attention, shop se fait. Hein. Nifi s'énerve. Ouais. Hyper Trust. Je m'attendais à un DP ici, il est pas sorti. Tac. Boule. Quelques boules de la part de Poyou. Ok, jump page de sol, évidemment, pour ta poche. Oh, les deux PRC ici, hein. C'est tellement fort de rater. Bash d'ailleurs éclat, hein, ici, qui a bien été spacé. Il n'y a pas eu le 6H de Nifi, du coup, à cause du spacing. Oh, 5K, là, par contre, derrière le Foudre Arc, attention. Hein. Bah, ouais. H, Foudre Arc. Il a Nifi a contesté pas mal après le Foudre Arc avec 5K, et ça a plutôt bien marché jusqu'à maintenant. Aïe, 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 le dragon, et ça va casser le mur et tuer. Même pas besoin de casser le mur. Ça tue. Ouais. Voilà, les combos aériens de sol sont cool quand même. Il a encore pas mal d'options avec le le Guilty Gear, hop, la chop en l'air dans le Bandit Bringer. Boum. Pour si cherche counter. Et il a tenté un troisième. Encore une fois, le trade en l'air. Trade ici. Hyper Trust. Ah, il a DP cette fois pour empêcher de Nifi de contest. Tac, joli dust. Il y aura pas de combo derrière puisque c'était pas la version chargée. Nifi qui se prend ce stun est chargé ici, stun hyper, ça a RC. C'était négatif en bloc. Poyou l'aurait pu punir, c'est pas grave. Il a une ouverture quand même. Aïe aïe aïe, par contre, si tu vas. Mais oui, hein, Oup, 6P. Non, on saute pas hein, sur Poyou. Ah ouais, non. Ouais, balle de match pour Poyou. Mais oui, hein, si vous bloquez un yellow RC comme ça, hein, le guard cancel, il est totalement négatif, hein, vous punissez. Hein. 5K, quelque chose, vous punissez, hein, c'est négatif dans la garde. Attention. Et Babouin qui est en sueur là en voyant ce Nifi en difficulté, je pense. Aïe 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 aïe. Fame. Fares. Bandit Revolver. Attention, il y a eu un Fares. Est-ce que ça va me punir? Très mauvaise nouvelle pour Nifi ici. Qu'est-ce que ça va être? Le bomber, si sinon c'était la mort parce qu'il avait 50%. Ses derniers retranchements ici, il a quand même encore 52 mètres. Bien joué ici, ça a couru dedans, puni l'air shop, dommage ici le PRC. En Red RC, ça serait bien passé, ça aurait tué. Et c'est le White Throw RC 6H. Nifi qui remonte. C'est pas fini. Phew, Nifi qui est encore en vie. C'est pas fini. J'avoue que j'ai eu la pression. Oh là là. Je pense que Babouin il a soufflé là, mais il est toujours pas serein. Allez, hop. Gunflame. Gunflame. Oh, ça punit au bas H le 2D de sol. Ah, il a pas le temps. Hein. 6P d'ailleurs éclat. D'ailleurs, éclat qui est passé en whiff. Hein, ça aurait pu être l'occasion de Nifi, mais bon, là, fallait être vraiment réveillé. Hein. Hein. C'est bon. Dragon RC. Ouais, ça a RC le dragon. Tu ne puniras pas mon dragon aujourd'hui. Fares. Ouais, Fares qui fait pas tellement peur à Poyou, j'ai l'impression. Hein, vraiment. Bah, rien là. Il a pris les bonnes options derrière. Ouais. Poyou il a pas voulu confirmer son bash juste parce qu'il avait peur que Nifi burst et il s'est dit bon, autant le laisser. Poyou qui a plus trop de vie, pas mal de metteurs, peut-être qu'on va voir un dragon instant parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu du tout sur le set pour le moment. Ah non, il a préféré. C'est pas du tout ce que ça donne, sincèrement, si c'est bien ou pas. Mais... Ouais, apparemment c'est bien, mais d'après les joueurs de Kay que j'ai rencontrés, ils m'ont tous dit que ça coûtait trop cher en fait. Attention. Si c'est de la part de Poyou, Gunflame ici. Ah, ça va être Gunflame. Quoi? Oh, le Foudre Arc, ça a failli punir ici. Ouf, aïe 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 aïe. Thanks for the raid, Joss Meta. Merci pour le raid. Salut, hello Joss Meta. Ah, purée, le 5P. Bringer. Ok, Bringer. Fares, 2D. Qui saute, Fafnir ici, c'était plus sombre. Gunflame, ça a réussi à toucher Poyou, ça c'était counter. Encore une fois, Fares. Ah non, pas le. Pourquoi le RC?
Oh, c'est dommage, il aurait tellement dû faire super. Il aurait une phase derrière. Bon, après, bon, ça a ajouté quand même pas mal de dégâts, mais... Ah bah non, bah, ouais, bah run 5K... Oui. La méga classique ouais. De Sol, évidemment. Juste méta, ce sera la prochaine émission, hein, ton replay, hein. Je l'ai bien reçu. Alors, si, sache. Dédé. Ah, bien joué, ça, le 6P dans le GH. Ouh, ça combo avec Fafir. Attention, d'ailleurs, éclat. Allez, full screen dash up. Foudre Arcade, elle passe la partie de l'autre côté parce qu'il a fait trop tôt. Attention ici, hein, c'est Nifik qui saute bien dans les boules. Hein, Nifik ouais, a pas Nifik a 50 de tension encore, là. Ah, mais Poyo aussi, il y, y a des ressources du côté des deux adversaires. Il va y avoir un burst. Et ouais, le voilà. Et c'est un 4-4. On va avoir le dernier match. Allez. Le dernier match. Le dernier match. Oh, 5P. Non, tu bouges pas. C'est Nifik a fait non, si. Encore une fois, 5P pour arrêter les Pharex. Avec le calme. Le burst. Il n'y a eu aucune peur de la part de Poyo. Rune start comme ça, faire un dust aussitôt. Continue. Poyo qui a pas voulu te laisser pousser vers le coin. Attention. Oui, GH. Vortex okay. Ici. Vortex sur la boule, on l'attendait depuis un moment, je suis là. Ah, c'est dommage, il a voulu faire un combo Twitter, je pense qu'il a raté. Ouais, enfin, oui, il faudra counter. Ça s'est poussé vers le coin. Hop. Sacré Dedge ici hein, qui a failli casser le mur, hein. Il manquait 1 cm et c'est le dust et ça, ça va tuer, faut pas qu'il rate. C'est bon. Oh, de la caméra. La caméra qui devient folle. Qui a outspace le 2P de Luffy. Allez. On y va. Oula. Mais je pense que les gens ont juste pas l'habitude en fait. Bien joué le bash, on saute pas sur Poyo. C'est moins 22 et la hardbox reste très avancée. Attention, ah, c'est très mauvais pour Nifik. Il a failli punisher le 2D ici, hein. Bien joué. Failli bien joué de la part de Poyo, hein. Il l'avait bien vu, mais bon, c'est pas grave. Tant qu'il est pas puni, c'est pas grave. Là, ça commence à être grave. Non, c'est toujours pas grave. Nifik est toujours dans le coin. Le gunflame, aussi le carrière. Aïe. Un Poyo qui doit rester calme ici. S'il veut emporter ce FT, hop, c'est bon, c'est parti, les dégâts de Nifi. Chop spé, est-ce qu'il RC? Non, il RC pas. C'est bien, comme ça il peut garder sa barre. Il burst, qu'est-ce qu'il va tenter? Vortex RC, chop spé, chop spé, c'est le dernier round. Le dernier round. Let's go. Allez, NRV, chop spé, round start 5 périens. Ça a l'air d'être le coup du match-up, 5 périens. Il manque le dust de juste derrière. Hop. Joli tissage ici de la part de Nifi qui arrive à punir ça. Ouais, les deux adversaires qui se regardent pas mal dans le blanc des yeux. Joli Splendipper ici qui va venir donner le lockdown. Deux lâches, t'es électrifié, qu'est-ce qu'il va faire? Bah punch, bah S, allez, Splendipper. Voilà, RC, on pousse vers le coin, Foudre Arc. Ici, est-ce qu'il va prendre le mur? Non, il va pas. Est-ce qu'il a cassé avec le d'ailleurs éclat qui a complètement passé en whiff? Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas grave. Parce qu'il a toujours gardé. Pas de burst du côté de Nifi ici, mais il va revenir pendant le round. Ouais, attention ici, back avec Dust, 5K, oui, hop, la confirme, on pousse dans le coin, il a raté, c'est pas grave, du coup il a fait dragon, c'est passé en counter, il a été bursté. Attention, la barre de Nifi qui est à 50%, il va se passer quelque chose, est-ce qu'il va encore faire un énervé? Cancel, comme ici, c'est même pas besoin du cancel, le counter. Hop, est-ce que ça va tuer? Non, ça ne tue pas, c'est trop loin du coup. Chop, space, si sage, ça tue pas, Puyo qui survit, le si sage qui fait full train, dash, chop, et qui chope ce 2D. Attention ici, attention, le RC, la punition, qu'est-ce que ça va être? Attention, l'RC, RC. Bon, revolver okay. RC. C'était la tête 3D, c'est le 5K. Et c'est Nifik qui l'emporte. Ce FT. Nifik qui a jamais voulu mourir. Genre, c'était 4-2, il a remonté 5. 4-5, putain. Ouais. Oh la vache, ce match. Oh, Nifik qui a dit dans le chat easy. Ah, bien joué. Ah, mon cœur à la fin. C'était clairement un match. Un match de life, mais c'était éprouvant. C'est très bien ce match, hein. Poyo hein, qui réclame le buff de Kai. Excellent match hein, là qu'on a eu en ce replay. Donc c'était le dernier de la journée, hein, oui, comme vous pouvez voir ici sur. Le planning qui est affiché pour cette première journée, c'est pas. J'ai assez de replays pour en refaire hein, des journées, vous inquiétez pas. On va du coup refaire une prochaine journée. D'abord, je vous propose un mot-clé. Qu'est-ce qu'on peut faire en mot-clé hein? On peut faire point d'exclamation énervé. Je pense que ça
résume bien ce finish. Le Night Red Vortex Counter, point d'exclamation, énervé. Nifi qui a mal tapé, énervé, ou qu'il a tapé trop tôt parce que c'est pas passé, il faudra qu'il le retape. Pendant que vous tapez, point d'exclamation, énervé pour cette dernière clé à gagner. Je rappelle les scores d'aujourd'hui. Donc il y a eu Mist Majin 5-2, Noreini-san 0-5, Dricus Calling 5-3, Popotinos Vampen 5-3, Kumo Kotsfai 1-5, Q's Bad Blood 5-0, Puyo Nifi 4-5. J'ai été très heureux de faire cette première journée de Replay Strive. Vivement que le jeu sorte. Hein. Ah là 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 là, vivement que le jeu sorte. Plus que quelques semaines, mine de rien. Ah là là, ouais. C'est le 11 juin qui sort le jeu. Hein. 8 juin si vous précommandez les versions collector sur le PSN. Sinon, le 11 juin pour. Tous les autres, c'est dans vraiment pas longtemps. Donc, je rappelle, point d'exclamation énervé pour gagner la dernière clé proposée par le Dojo Nord ici, sur ce stream. Et donc, qu'est-ce que j'ai à dire ? Oui, le Discord de ma chaîne est lancé, hein, point d'exclamation Discord, si vous voulez le rejoindre, il est là, nous existons, hein, nous sommes maintenant disponible, il est lancé, il est encore tout neuf le Discord bien sûr, hein, on va rajouter des choses. Il y aura bientôt aussi du contenu sur Strive, hein, que je vous prépare, le tuto du jeu, d'autres émissions de FT. Je vous rappelle aussi que je vais aussi organiser une des qualifs du Wanted de Damascus, qui sera pour la version PC. Ça ne veut pas dire que les joueurs PSN seront délaissés, bien au contraire, il y aura aussi des événements PSN qui auront lieu sur cette chaîne. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous suivre. Je vais donc maintenant lancer le dernier stop de ce sondage, de ce, comment ça s'appelle, de ce stream. Voilà, j'ai perdu mon... C'est qui dit stop pour le dernier? Je te le laisse, Aska, vas-y. Allez. Dis-le bien. Stop. Il l'a bien dit. Il a fait le just frame. Donc voilà, la dernière clé. C'est vraiment truqué en fait. C'est que même c'est... Nous, on sait pas, mais... Pourtant, hein, j'essaye de détruquer. Hein, le seul truqué, je pense, c'est Pampa Berry. Hein. Il a complètement, je pense, piraté la chaîne. Pampa, il a balancé tous les points dans sa stade de chance. Hein, vraiment. Ouais, voilà. Du coup, il gagne la dernière clé qui est Light Matter. Ici, Escagas. Okay. Hop là. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y aura effectivement le Wanted. Hein. Le Wanted, c'est l'événement le plus prisé online sur Street Fighter V et Dragon Ball Fighters, fait par Damascus, où en gros, il y a des qualifs ouvertes pour, en gros, le gagnant des qualifs va se qualifier pour faire un FT contre des darons du jeu. Voilà. Et ça va être hebdomadaire. Donc, je vais organiser une des qualifs. L'autre qualif va être organisé aussi par C4IQ, qui avait passé tout à l'heure, et qui fera une qualif anglophone. Ça ne veut pas dire que c'est restreint à un public anglophone, hein, c'est ouvert à tous. Moi, pareil, ça ne sera pas restreint à un public français. Enfin, pour l'instant, j'ai pas eu encore toutes les guidelines à respecter, mais ce sera comme ça, et les gagnants affronteront les darons choisis par Damascus pour eux-mêmes être les darons qui devront être les têtes à faire tomber pour les prochaines émissions. En attendant, ça, ce sera... pour la sortie du jeu, en tout cas, merci aux gens qui sont passés. Donc, il y a eu Escagas, Sonic-san et Masker. Hein. Vous pouvez balancer les liens de votre chaîne si vous voulez. Mon Discord est là, vous pouvez les balancer aussi dans mon Discord. Point d'exclamation Discord pour rejoindre. Et je pense avoir... Mais solo, je stream à peu près de façon très très irrégulière en fait. Je stream de temps en temps, mais c'est très irrégulier. Mais si vous avez envie de follow, n'hésitez pas. Moi, vous pouvez follow aussi. En fait, je stream genre tous les jours pendant genre 2 semaines, et puis je stream plus du tout pendant 2 semaines. Et ça, j'ai un rythme comme ça super chelou, et je fais pas exprès, mais voilà. C'est ça. Moi, ouais. C'est juste que je stream plus, mais ça va repartir ce soir avec Strive de toute façon. Donc abonnez-vous. Je pense que tout le monde ici, on jouera Strive au moins. Voilà. Vers la sortie du jeu. Nifi aussi qui était passé au commentaire, hein. Vous pouvez aller sur sa chaîne, évidemment. Nifi le sang. Mm-hmm. Je vais balancer son Twitch pour les quelques. C'est ça. Let's go. Hop. Donc voilà. Hein. Il y aura, comme j'ai dit, une prochaine. J'attendrai. Comment dire? Il y aura une prochaine émission de Replay de Strive. J'en ai encore reçu pour faire au moins
au moins 2 émissions, je pense. Je vais voir si j'arrive à en faire en soir de semaine, sinon ce sera un week-end. Il va peut-être se passer un truc dimanche. Je vous tiendrai au courant, hein, surveillez nos réseaux sociaux. Aussi le Discord. Maintenant que j'y pense, ça pourrait pas être hype un minimum de faire un crew battle au début de Strive. Franchement, je pense que je laisserai quand même au moins 2 semaines. Non, mais on laisse un peu de temps, mais tu vois, voilà. Et limite potentiellement faire un crew battle comme les US ont fait sur plusieurs. Avec un joueur avec sur un perso chaque, un joueur de chaque. Ouais, du coup, ce serait du 15v15, quoi. Voilà. Mais du coup, 15v15 avec un joueur de perso. Mais du coup, je vais me permettre de vous couper là-dessus. On a déjà un truc en projet qui est pas encore définitif, hein. Okay. Pour faire un Europe versus USA. Ouais. Ouais. Oh. Avec deux team capitaines qui seraient moi et Deb. Ah, oh, c'est ça, trop stylé. Ah, c'est du perso par perso ou c'est juste vous choisissez votre team? On va voir le format, on est en train de discuter avec ça en ce moment. Il y a des trucs en projet, les frérots. Ouais. Nous, il y a un truc. Nous, ça serait vraiment pour limite le faire soit au niveau français, soit au niveau européen, mais ça pourrait être stylé aussi. Mais ouais, ça pourrait être stylé de suivre ce genre de petit battle. Perso, on perd pas contre les carrés, hein. Je vais peut-être voir pour faire un crew battle, un dernier crew battle pour Xrd, histoire de dire un peu au revoir au jeu, mais le truc c'est qu'il y a la nif de mon frère qui tombe à peu près au moment où Strive sort, donc je sais pas trop quand je serai dispo. Faudra que je demande, en tout cas je demanderai sur le serveur français quand est-ce que les gens veulent faire ça, mais je pense que Xrd ça a été un jeu qui a été assez important pour moi et pour pas mal de monde. Oui. J'aimerais bien faire peut-être un petit event histoire de lui dire au revoir. Ouais, bah nous on va essayer d'en faire un dimanche, hein, je vous en dis pas plus, restez au courant, hein, dès qu'on est prêt à l'annoncer, on va l'annoncer. Et comme je vous ai dit aussi, dès que j'arrive à trouver une date, parce qu'en ce moment je suis assez occupé, mais je vais réussir, je vais essayer de trouver une date pour faire déjà la prochaine journée des replays de Strive. J'en ai encore, comme je vous ai dit, hein, à faire. Et voilà. Hein, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, encore une fois, hein, vu qu'il est lancé. Et je pense que c'est bon. Hein, on va faire un petit raid, ici. Hein. Hop là. Il y a qui stream. Je pense que je vais vous envoyer chez Riza. Hein. Allez hop. Un petit raid chez Riza. Vous allez dire bonjour, Riza. Hein, si, hein, je pense qu'il va jouer à Strive. Hein, il avait l'air bien saucé. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. Vous étiez très nombreux. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, le follow, tout ça partout, hein, la cloche et tout. Dès que je suis prêt à vous annoncer quelque chose, je le fais tout de suite. Merci encore une fois à Nifi, Escagas, Masker, Sonic San d'être passé. Gros câlin à tous. Je vous adore. Merci beaucoup. Allez. Ciao. Ciao. Hop, le clic est cliqué. Non, j'ai mal cliqué. Si c'est bon, le raid est raidé.